Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le lundi 29 mai 2017 et c'est déjà le 33 e épisode. Ça va encore une fois à une vitesse, je le dis à chaque fois, mais je suis toujours étonné. Tu peux le redire donc, 33, pour voir 33, ouais <laughs> okay. je vais encore le redire, regarde, pour ce 33 e épisode... Non mais il n'y a que les vieux qui comprendront. <laughs> bah t'as vu, Richard rigole d'ailleurs. <laughs> ouais c'est bon, <laughs> Tu fais référence au film, c'est ça Oui, c'est ça. Ah, tu ouais, ouais. aussi, là. Ouais, ouais. Je suis vieux, il est de 33. Donc, pour ce 33 e épisode, ben, je suis accompagné, on l'a entendu, de Christophe et de Richard. Bonjour, Richard, tu vas bien Ça va bien, oui. En, en forme Oui, regardez. Et toi, Christophe ben, Ça va bien. Euh, une année qui se termine euh, scolaire. Ah, ouais, bon, scolaire. Ça va ouais. Super bien. Donc, euh, je vais pouvoir euh, bien travailler là, du coup. Ça, ça fait du bien. Il s'est passé des choses a priori euh, depuis un an dans le monde des devs. On va en discuter tout de suite. D'accord. Donc, messieurs, bah aujourd'hui, on va passer en revue quelques actualités qui ont été présentées à, à la build, des, donc la, la grand messe des développeurs hein, de Microsoft qui a eu lieu à Seattle les 10 et 12 mai du 10 au 12 mai dernier, et bah où Christophe a eu la chance d'accompagner une équipe de, de podcasteurs, entre autres, de hein, podcasteurs de Microsoft. et On a pu ainsi bah, retransmettre toutes les discussions, tout ce que vous avez fait chaque jour, donc le débrief de Christophe. Et tout comme nos amis de Lifetime d'ailleurs qui ont également publié tous ces épisodes. Et nous avons ainsi, nous avons ainsi eu nous l'idée ici à Troyes de, bah, de faire un épisode, de consacrer un épisode euh, à, à la build dans lequel on va reprendre chacun un sujet qui, qui nous a marqué. Et on, bon, on va pouvoir en débattre ainsi pendant quelques minutes chacun et on va pouvoir tourner ça euh, à, à sa sauce à chaque fois et expliquer un petit peu ce qu'on en a compris aussi. Donc voilà, comment ça s'est passé déjà Christophe là-bas ben, Ça s'est super Bien passé, une super expérience. J'étais vraiment content d'y aller. C'est vrai que mmh. c'était une chance. Et euh, ben j'ai pu découvrir tout, tout, ben tout ce qui se passait. Et puis, euh, oui, c'était en direct, mais l'expérience était très riche. Et puis, euh, puis voilà. Ouais. J'ai adoré, ouais. j'ai vraiment adoré. Bah nous, on a suivi ça aussi à distance, en direct aussi, hein, Richard Oui, oui. Mais, mais on, et on a suivi après bah, toutes les discussions que vous aviez euh, avec les, les autres euh, podcasteurs, les autres membres de l'équipe. Donc, c'est en tout cas vraiment intéressant. C'est vrai qu'on ne savait pas suivre tout non plus. Donc, ça permettait d'avoir un résumé au jour le jour. C'était pas mal. J'espère la je prochaine Et voilà, je trouve que là, Microsoft arrive enfin à un cap où… Euh, euh, tu vois, la convergence à l'annonce de Windows 10 tout au départ, je trouve qu'on y est encore plus. Mmh. Et euh, quand je vois certains petits trucs, tu sais, euh, le copier-coller euh, ouais. d'un device à l'autre, c'est un truc débile finalement, enfin, débile, oui et non, mais naturel. Et puis, euh, voilà, c'est génial, quoi. C'est plein de petits trucs comme ça, mais je trouve qu'il y a eu énormément d'annonces finalement. C'est vrai, c'est vrai, énormément. Alors que, et c'est vrai que Microsoft est plus dans un monde maintenant open source, libre. Donc, bah, on a évidemment les infos au fur et à mesure quand elles arrivent sur Internet. Et donc, arriver quand même à sortir des nouveautés et à créer la surprise sur toute une série de petits points comme ça, c'est évidemment, il n'y aura à mon avis jamais des grandes nouveautés comme on les avait il y a quelques années, puisqu'on a cet aspect open source. Mais on va quand même pouvoir avoir de temps en temps des petites infos. C'est cool, c'est bien. Ouais. Eh ah bien, bah si on, on commence peut-être par un premier sujet qui te concerne, Christophe. Donc, tu as retenu un point qui est le Windows Template Studio. Ouais, bah justement. Euh... Explique-nous. Ben c'est un petit, un petit détail, mais je veux dire euh, lorsque vous créez des projets, bah, oh, allez au hasard toi Denis, vraiment ouais. au hasard hein, dans la Au hasard, oui oui. Bon, quand tu dis le MVVM Light de Laurent Bunion, je ouais. sais que tu as fait je crois un truc automatique, enfin bref tu, tu pourras nous en parler plus tard. tu euh, T'en as pas marre à chaque fois de recréer en fait toujours euh, la même chose, tes dossiers, modèles, tes vieux modèles, tes vieux ouais. modèles. tout tes packages, tout, tout remettre à chaque fois. Créer tous, les... ouais, ça. Créer tous les dossiers et replacer les, les petits fichiers qu'on a besoin à chaque fois. Oui, ouais, mais c'est vrai que ça peut être embêtant. Moi, je trouve que pas embêtant, mais c'est long finalement. Puis... C'est chiant. voilà. Euh... Alors, du coup, un petit truc qui n'a pas été mis dans les keynotes, hein, c'était en dehors, mm -hmm. c'était l'extension euh, de Visual Studio qui s'appelle Visual Template Studio. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je démarre un projet, J'aime bien que ça aille vite et puis j'aime bien faire tout de suite F5. C'est peut-être débile, il n'y a peut-être rien. Je veux pas que l'application soit finie avant même qu'elle soit commencée, mais j'aime bien avoir rendu en temps réel. Je ne sais pas vous, mais moi je fais constamment un, un test quoi. Toujours paf, allez, F5, ça marche ou pas. Il m'arrive où j'ai des projets où c'est vrai que c'est beaucoup plus long, où il euh, y a beaucoup de trucs à mettre derrière avant de pouvoir lancer la machine, mais là franchement, je m'éclate beaucoup moins quand je peux pas faire F5. C'est un peu ce qu'on a dans les projets web, je pense. Hein. Un projet SPNet, euh, tu choisis le type de, de projet, on va dire, au départ. Euh, projet vide, projet SPNet et autres. tu et as un modèle et tu peux faire F5. Il n'y a rien. Il y a juste un titre. Mais ouais. tu peux faire ça. Et, et rappelez-vous, les premières applications à l'époque de Windows 8, quand on avait les applications UAP, me semble, je crois que c'était le nom, mmh. eh bien, on avait des templates. On avait directement le Blank App, le Grid App, le Split App. Vous ouais. vous souvenez de tout ça Et mmh. puis, en fait, dès qu'on est arrivé en UWP, eh bien en fait tout ça en fait ça a disparu de Visual Studio. Euh, on avait en fait ces templates de, de Windows 8 étaient euh, basés surtout sur les guidelines qui étaient euh, scrupuleusement scrupuleusement suivis alors et après ben bah, arrivé à Windows 10 euh, tout ça ça a été un petit peu atténué et du coup on a plus ces templates. Alors il y en existait, il y avait une mémoire euh, le template 10, je sais plus de quel gars chez MS avait fait ça. Bon, c'était assez sympa, euh, mmh. mais ce n'était pas directement, et puis ce n'était pas natif de, de la team Visual Studio. Ceci dit, il y a un an, c'était en août dernier, août 2015, est sorti l'UWP Community Toolkit avec plein de contrôles. Mmh. Euh, moi, ça, c'était quand même très, très bien pour démarrer un projet sans réinventer la roue, sans rechercher à droite et à gauche, en fait, tous les contrôles. Alors, le Visual, le Windows Template Studio, c'est un complément pour moi, à l'UWP Community Toolkit. Et c'est-à-dire, euh... ça te propose quoi Eh bien, en fait, au démarrage de ton Visual Studio, tu as mmh. tous les projets possibles et pas inimaginables, mais possibles euh, en réalisation. Mais là, en fait, tu vas avoir un projet où tu pourras un peu avoir la même chose que l'on trouvait avec euh, Windows 8, c'est-à-dire, ça va te proposer. Des, de te mâcher le travail comme tiens, je vais faire une solution avec un menu burger, je vais utiliser le MVVM light et puis je vais rajouter telle ou telle page. Boum, terminé, tu ouvres ton projet, c'est fait. Tu es directement ah ouais. dedans. Ben, c'est une sorte d'assistant, quoi. Donc tu arrives sur un écran avec un petit, Tu choisis quelques quelques options et ça oui, te crée ça. Une, un, un modèle de code sur ça. Et il n'y a pas moyen qu'on partage ton écran ah, mon écran est déjà partagé. Tu veux que je lance Visual Studio Bah ben oui. Alors, pour ceux Allez. qui pourront regarder la vidéo, ça va être assez sympa. Puis, on va essayer de le décrire euh, comme ça en live. Alors, là, tu lances ton Visual Studio 2017 version qui est à jour au moins. Tu l'as mis à jour la dernière, la toute dernière. Oui, dernière, mais je à... ne sais plus si je l'ai mis à jour sur celle-là, la version 2017.2. La 15.2, voilà. Ouais. La 15.2 de, de Visual Studio 2017. On peut regarder, on a besoin d'avoir celle-là Non, 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 c'était juste comme ça. Non, ah. parce que là, je suis sur la surface qui est la... un processeur i5, donc c'est un peu plus lent. Et je suis en... Non, je ne suis pas en 15.2 là. Bon, Alors, on va voir tu si vas aller ça sur ton menu Tools, puis Tools. tu vas aller sur les extensions et updates. Extension ouais. and update. Ouais. Ah oui, c'est no le, ouais, le Visual Studio qui est lent. D'accord. Et tu, tu travailles coup... avec ce truc-là alors Non Tu prends mon J'enregistre en, juste <laughs> les podcasts avec ce truc-là. D'accord. Et, et je regarde le reste. Non, j'ai une autre machine pour travailler. Ah voilà, ça souffre. Voilà. Alors du coup, maintenant, tu vas te mettre sur Online, sur la gauche, ouais. et puis à droite, tu vas aller taper Windows, Template, Studio. Alors win... Windows, Dos. Template, Studio. Ah, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Il est là. l'a vu. bouge plus. Et tu l'as en bleu, Windows ah Play ouais. Studio, et tu peux faire Download, et là on sait que ça va aller très très vite, parce es... <laughs> que tu es... En plus c'est vrai, il faut relancer ton Visual Studio. Oh là, on, est, on est reparti pour relancer Visual Studio qui était déjà... Oui mais, mais c'est pas grave, grave c'est hein. que pour du plus plus plus. quoi. <laughs> Donc là il installe l'extension, ça va très vite. Enfin, pardon, excuse-moi. Voilà, tu... Euh, Modifie. marques modifier pour valider, ouais c'est ça. En fait tu ah modifies ouais. le... Là, il me le fait à chaque fois aussi. Quand j'installe une extension, il me dit qu'il y a toujours le perf Watson 2 qui est en cours. Ah, le Dr Watson, je ne savais pas qu'il existait encore. Le 2. docteur Watson 2. Ah, oui. Donc, euh, en général, je n'attends pas. Je fais OK, euh, ferme-moi la tâche. Je ne sais jamais laquelle est derrière. Et donc, je redémarre mon Visual Studio. Alors, notons que cette extension, c'est pour les applications UWP, d'accord mm -hmm. euh, Exclusivement ça ça arrête en enterprise. Tu pourras faire des petits blancs et couper peut-être. Ouais. Et voilà. Donc maintenant tu vas faire nouveau projet. Enfin nouveau projet. Nouveau projet. Nouveau projet. Et enfin tu vas retrouver sur la gauche dans les applications universelles les Windows, pardon, Visual C++. Euh, c Sharp. Visual C#. Sharp, ouais. Visual C#. Sharp, Windows Universal. Ok. Et là tu as rien du tout. Sauf que. Là, Il faut choisir peut-être la dernière version du framework voilà ah ben bah voilà il faut être oh. en framework 4.6.2 et tu as Visual Template Studio et tu fais OK je fais OK et si on fait ça et ah là, ouais. un nouveau voilà. menu qui arrive qui va être juste génial donc en fait tu vas avoir plusieurs étapes et tu vas avoir 6 enfin six caractéristiques donc là tu vas d'abord choisir ton projet d'abord t'as un projet panneau qui a un hamburger menu un ouais. projet pivot et onglet ouais. et tab ou un, ouais, projet, un projet, projet vide blanc. as le droit ouais. de faire un projet vide non, on va, pas, on va laisser sur le, le burger, très bien. Donc celui qui en est en bleu, dire... celui qui est sélectionné. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors dessus, sur la okay. droite, tu as Summary, c'est ce que tu es en train de suivre. On est en train de suivre les étapes que l'on fait. Mm -hmm. Maintenant sur le framework, la deuxième partie de ton choix, c'est est-ce que tu veux faire du code behind, mon préféré ah ouais. hein, C'est-à-dire que là, bah, voilà, tu vas avoir le code source derrière tes, tes vues, très bien. Ouais. Ou alors du MVVM basique, donc là, c'est vraiment le pattern de base initial, et quand même la grande classe du MVVM -Lite. Light de Laurent Bignon, qui est intégré. Et donc ce, ce qu'il a récupéré ici, c'est on va dire de type un peu euh, online parce que j'ai vu Moi, passer je... une news de Laurent Bunion disant qu'il avait travaillé là-dessus. C'est lui qui l'a développé alors ça Je pense que c'est partenariat avec. Euh, oui, en partenariat, ça, mais je, je vois qu'il qu est, qu est marqué Made by euh, Laurent Bunion. Voilà, ouais, c'est qu génial hein, quand même. Ça, ouais, non, donc là, cool. tu vas. Veux... Bon, on va choisir ça, allez. Laurent, Laurent Bunion, bah on ouais. va faire plaisir. Nous allons bah choisir ça. On voit bien que sur la droite, tu as même la licence qui ah va ouais. être mise, d'accord Avec les frameworks utilisés. Maintenant, tu vas faire Next en bas à droite, suivant. Ouais. Et là, maintenant, tu vas choisir les pages que tu vas ajouter nativement dans ce ah ouais, nouveau cool. projet. Donc, par on exemple, prendre on master va prendre detail. De master. Donc, tu vas cliquer sur le plus il va te proposer quel nom tu veux mettre. Tu peux le changer maintenant et tu valides par la petite case V. Oui, c'est ça. Bon, je laisse Master Detail. Hein. On ouais, pas. À droite, automatiquement, tu vois bien que as, tu as Master Detail qui apparaît et tu peux en mettre plusieurs. Tiens, ouais. On va imaginer qu'on va souhaiter mettre une page, une carte. Donc là, tu vas cliquer sur le plus de map. map ouais. Tu choisis le nom map, ça convient, et tu fais plus. Pof, à droite, tu as une map qui apparaît, etc. etc. Ah oui, on, on en a toute une série aimer. en fait. Hein C'est génial, des... ouais, Pas grand task, task euh, notification, lifetime, toast. Ah, on va pas aller trop vite. Juste après qu'on qu a choisi une page. Maintenant, en fait, on va avoir plusieurs petits trucs assez sympathiques. C'est que, par exemple, le suspend et résume. Vous savez, quand on va suspendre une application mm -hmm. et revenir en fait à la page, eh bien, tu vas pouvoir directement intégrer en fait euh, ce qu'on va appeler les cycles de vie quelque part d'une application. Donc, tu vas pouvoir rajouter ce, toute cette gestion là. Ouais, c'est ça. Et sur la gauche, tu peux encore aussi rajouter le, le JSON, comme par exemple le, le sitting des, des storage, une classe de gestion de tes data inclus. Donc ça, c'est sur la gauche. Tu vois le le sitting storage. Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Il est déjà coché. Parfait. Euh, bien sûr, tout ce que l'on fait sur la droite, on peut les supprimer au fur et à mesure par une petite croix sur ouais. Si on, sur... ouais. si on hein, survole, il y a une croix rouge qui apparaît. Ouais. Exactement. Est-ce que ouais. notre, notre application va avoir un background mmh. Si on a un background mmh. ou pas. Mmh. Un truc très bien ensuite, c'est les interfaces utilisateurs. Est-ce qu'on va avoir une live tile Est-ce qu'on va avoir un TOS notification Ouais. Et où une Azure Notification Hub, donc trois actions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout système-là, c'est open source, bien évidemment, et là, je crois qu'on aime bien. On sait très bien qu'un plus un égale trois, et que ben, tout ça va pouvoir s'étendre euh, ben, avec le temps, finalement. Oui, c'est ça. Il y aura de plus en plus. C'est ça qu'on a vu au démarrage. Je pense qu'il s'est connecté, et, et d'ailleurs, on voit les versions en bas, template, version. Oui. Et donc, je suppose qu'il va mettre ça à jour régulièrement. Le quoi. Wizard, c'est bon. cette interface-là. Et maintenant, je t'invite à faire créate Créer, voilà. Voilà. excuse-moi mon accent du nord. Et, et, et ça fait de la facture auprès du client aussi en même temps Mais Tout à fait. À la fin de ton projet, <laughs> voilà, vous avez passé autant d'heures de code. Chaque heure, il ben, y a juste un petit coefficient d'entreprise, hein, ce qu'on appelle les, les frais généraux. Et enfin, ben, tu auras la facture prééditée dans une super application Sodea Soft qui va directement vous éditer en PDF la facture. <laughs> ouais. Alors, hé, ça, ça vous scotche les copains. Il me dit que ouais. j'ai besoin d'avoir, et là, à mon avis, c'est parce que ma machine ouais. n'est pas à jour. J'ai besoin d'avoir ai... la dernière version. La dernière Le version, ouais. Le 10 0, 15 0, 63, ouais. Honteux. Alors là, les... Ah, mais et... si j'avais su, j'aurais pris l'autre PC. Hein. Bon, c'est pas grave, mais tu... je sais pas si tu remarques un petit peu. Donc, il va quand même. Ah non, il va vraiment. Ah, oh, C'est dommage ce qui t'arrive là. Bon, bref, vous l'aurez compris, c'est quand même un, un outil. Enfin, un plugin, ah oui, tu as carrément fait ah, oui, le fait... studio. C'est pas moi, <laughs> je n'ai fait que cliquer sur les boutons que tu m'as dit, moi. Hein. Ouais. <laughs> mais moi, j'ai eu, mais il n'y a aucun souci quand tu es à jour. Hein. Bah ouais, c'est juste version. génial. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que euh, par exemple, le MVVM Lite, j'utilise vraiment à tout petit, tout petit, tout petit, mais j'ai pu aller voir un petit peu comment ça se faisait automatiquement. Rappelle-toi, euh, Denis, mm -hmm. une fois tu m'avais refait un. Une explication sur le light, on était, à, on a à toi, je sais plus quand. Mmh. Et euh, bah, tout ça, mais on a pourquoi passer à une demi-heure Maintenant ça prend, ça m'a pris trois minutes. Et puis tu peux aller voir un petit peu la mécanique directement sans te faire chier pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, à remettre ça en place. Ouais, et ça puis, bah, Finalement, je trouve que c'est très formateur. Ben, il y a ça, et puis c'est vrai que euh, moi je fais souvent des projets où il faut démarrer le projet, évidemment, quand c'est un nouveau truc à mettre en place. Et ben, c'est toujours la même chose. C'est toujours reprendre un modèle ou quelque chose qu'on a mis en place chez des autres clients et on va récupérer la structure de, la structure de base pour pouvoir la, re la remettre en place pour un autre. Ben, en gros, ça fait ce boulot-là. On choisit boulot. les, les modèles et puis. Euh, ouais. Ouais, ouais, donc franchement, c'est à utiliser euh, à foison. On n'a plus aucun souci. Euh je trouve, excuse pour pas faire une app UWP, mais euh, vous, vous rajoutez avec ça l'UWP Community Toolkit, mm -hmm. ben euh, bon Dieu, il n'y a plus du code C -Sharp à faire, quoi. Ah ouais, ouais, non, tout à fait. Mm -hmm. Alors, oh, bien. je vous l'ai dit, elle est sur GitHub, donc c'est sur github.com slash Microsoft, bien évidemment, slash, euh, en un mot, Windows Template Studio, euh, et donc, ben, ça va permettre de grandir, on peut, on peut s'imaginer que dans peu de temps, nous aurons les Adaptative Cards, parce que ça c'est quelque chose, il va falloir quand même que, euh, enfin, quand même, euh, je pense que tous les développeurs ils vont avoir envie de se connecter en fait, aux adaptative cards mmh. avec leur app. Donc ça ça va, t'imagines, bah, on aura peut-être juste une case à cocher, clac clac, comme le, les live tile, les, les toast notifications, ça sera juste un petit truc et la machine va être quasiment euh, euh, ben, le ouais, programme du ouais. projet. Donc c'est vraiment vraiment sympa, moi je suis super content de ce petit plugin qui est apparu comme ça à la build. Ouais, bon c'est vrai. vraiment formidable. T as regardé un petit peu comment ça fonctionnait en interne ou pas du tout Non, pas du tout. Je me suis vraiment moi, tu sais, je suis un gros gros fainéant. Ce qui est un est un est interne, est que en interne je t'avouerai que j'en ai rien à battre. Sincèrement, moi, je suis là, pop paf, ça marche, et on est parti quoi. Mais, euh, non, mais ce qui m'a bluffé, enfin pas bluffé, mais euh, démarrer un projet MVVM Light, franchement, enfin MVVM, pas, franchement, c'est le truc qui me bon tu comprends pas mais qui me casse les couilles quoi sincèrement et là en fait j'ai pu faire ça mettre plusieurs interfaces et puis je m'en suis même pas préoccupé c'était tellement pas euh, bah, facile en fait j'ai juste allé chercher euh, hop 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 tiens je rajoute une page la liaison elle est là je la comprends ok elle est là après comment ça marche derrière franchement euh, pff, je m'en fous en fait. mais c'est du code qui fait il n'y a pas de, ah, de du contrôle ou des choses comme ça on a accès à tout ah, euh, ouais, c'est ça mais ici. très très propre franchement c'est nickel ouais, ça ouais. c'est ouais, vraiment pour avoir des propre. trucs de, 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 des modèles de base quoi mais mais très très bien et, voilà. et tu sais si on peut créer ses propres, euh, ses propres fichiers, on va dire, Windows 10 sur, sur GitHub, mon ami. Oui, sur GitHub, mais il faut le mettre après sur le site de Microsoft et il faut que ce soit publié. Je veux dire, on ne peut pas le faire en ouais. en interne, au niveau bah du Peut-être que structure. tu pourrais, mais je ne sais, sais pas. Je saurais pas te dire. Mais euh, bah maintenant, je pense que ça va aller très vite à, à, à cette évolution. On n'est pas, pas que 4 à utiliser Visual Studio. Mm -hmm. et, et ce truc-là euh, risque de faire partie des outils, enfin euh, des extensions euh, bientôt de base. Ouais, ouais, ouais. Ça ressemble voilà. un petit peu, ça me fait penser un peu. À le, ben on a fait fichier nouveau projet, mais là on choisit en gros juste le type de projet, un nom et c'est tout. Là, il y a plusieurs étapes. On dirait que c'est un peu ce même principe, mais de manière un, beaucoup plus évoluée, quoi, donc de, ouais. beaucoup plus personnalisable. Et c'est ça qui est peut-être intéressant. Donc peut-être que à terme, les projets classiques, les autres, euh, que ce soit du TypeScript, du web, tout, enfin tout ce qui est derrière, va peut-être passer par le même type de principe parce que on a ça aussi. Si on prend du ouais, web, il y a aussi toute une série de frameworks qui sont souvent intéressants à placer. Ben, si on pouvait faire clic-clic pour les choisir, euh, ça serait quand même plus intéressant, quoi. Imagine <laughs> qu'il y aurait une, une prochaine étape où tu choisiras. Euh, vous targetez quoi euh, bah alors euh, au hasard. Euh, iOS, Android, et puis euh, ouais, ça. <laughs> non, tout à fait. Bah, c'est ça en gros, ouais. ça, ça va juste choisir les bons paquets nugget les, la bonne partie de code et te mettre en place toutes les, les bases. Et après, tu peux à la limite effacer les fichiers si tu ne t'intéresses pas, mais tu as les structures de base qui sont là. quoi Comme tu dis, avec la même VVM, tu as tous les dossiers, tous les, tous les projets qui sont mis. Donc... Mais ça attend Non, mais on gagne du temps, hein. ça c'est vraiment. Ah ouais, non, oui. tout à fait. Ouais. Ok. Donc en fait, je trouve que rapidement, euh, peuvent... enfin, si vous, parce que maintenant est... On, peut, on, peut... on est acteur de ce truc-là, c'est directement d'aller intégrer euh... et en même temps, ajoute-moi. Euh... Euh, L'UWP Community Toolkit, tant qu'à faire. <laughs> ah, ouais. Oui, bah, c'est long ouais. quand même, t'imagines, il faut aller dans Menu Tool, nugget, euh, taper euh, UWP. Oui, oh mais il n'y a pas que ça. Y a après, c'est ce utiliser le composant. Après, tu as le composant qui est là, euh, que ce soit l'hamburger menu ou des autres qui existent dans UWP Toolkit. Euh, S'il est déjà mis un peu de la même manière qu'on l'a vu ici avec un modèle euh, Master Detail, par exemple, bah, on aurait déjà tout ça mis en place, quoi. Connexion ah, à Facebook, génial. authentification Twitter ou des choses pareilles, tu as juste besoin d'appuyer par... sur une case à cocher et bouf Par contre, le menu burger, ce n'est pas celui de l'UWP Toolkit. Ouais, oh, mais ça, parce on va y, y revenir parce que, que je vais en parler tantôt, ça. Ok, bah, ça tombe super bien. C'est bien. T'es hein. préparé, on a l'impression. Ah, <rire> <rire> Ok, ben, c'est très bien. Je pense qu'on a fait le petit tour sur ça. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à, à rajouter, non. Christophe, là-dessus pas donc tout, on, pas on, on passe au sujet suivant alors, euh, Richard. Oui, oui, moi c'est... Donc toi, c'est alors ah, bah on est parti dans la déprime. Hein. Non, non, est... On est en pleine déprime. Mais non. Mais... <laughs> Donc euh, pour ceux qui n'ont pas l'image, on a une tombe avec Examarine euh, qui, qui est affichée au, au, sur, la, sur la tombe. Tout ça pour dire que Xamarin est mort. Alors euh, pas exactement. Tu, tu vas euh, te faire des amis. Je vais me faire des amis. Oui. Euh, non, alors euh, jaillir, c'est plutôt le, le côté marketing de Examarine qui est en train de disparaître. Le, le terme Examarine qui, qui disparaît. Euh, je, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti en, en voyant un petit peu tout ce qui se passait à la build. Euh, on n'a pas de, ils n'ont pas annoncé qu'ils arrêtaient Xamarin, bien au contraire, mais on voit que le, le, le terme marketing de Xamarin va, va disparaître petit à petit, ce qui est normal hein, avec l'absorption de, de Xamarin par, par Microsoft. Mm -hmm. euh, bah le, la première étape ça a été la, la sortie de, de Visual Studio pour, pour Mac qui est une refonte de Xamarin Studio, euh, où ils ont rajouté les fonctionnalités de, pour les applications SP.NET Core, ce genre de choses. Euh, donc il euh, n'y a pas eu de, de, vraiment de, de grosses annonces sur Xamarin Studio, mais par contre il y a cette nouvelle version de, de, de Visual Studio pour Mac qui, qui apparaît. Et, et donc on, on peut penser qu'à terme Xamarin Studio va disparaître. Le deuxième, la deuxième chose qui aussi est aussi importante, c'est ça concerne l'apparition de XML standard. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mm -hmm. ouais. euh, c'est surtout ça qui m'intéresse. Oui, alors Xamarin Standard, alors, si on va donc c'est un projet open source euh, lancé par Microsoft. Euh, donc l'idée c'est d'avoir un seul langage Xamel, un seul langage XML, seul langage XML hein, pour ouais. décrire son, son interface. Donc quand on y pense, ça ressemble, dans le concept, ça ressemble énormément à Examiner Forms, euh, Mais là, ils reprennent ça vraiment à, à zéro. Donc si on va sur le, sur le projet GitHub de, 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 de Microsoft sur Examiner euh, Standard, on a déjà une, une première, un premier draft qui a été, qui a été publié. Euh, qui, est, qui est vraiment sommaire, on voit vraiment que c'est le tout début, 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 début. Euh, c'est que, que un draft, il n'y a, a aucun projet euh, qui, a été, qui a été sorti qu'on peut utiliser ou avec lequel on peut, on peut jouer avec. Si on regarde à l'intérieur, ben, on voit qu'il y a juste comment on décrit une interface, un bouton, un text-block, un text-box, combo-box, grid, stack-panel, page et user-control. Voilà, c'est tout. Donc euh, avec bon, des, des, des fonctionnalités supplémentaires sur euh, comment est-ce qu'on définit une marge, comment on définit euh, les horizons, l'alignement le, horizontal, vertical, la, la hauteur, etc. Il et euh, est front. Donc c'est une une, une spécification quoi plus voilà c'est ouais, complètement une spécification sur euh, ce vers quoi ils veulent euh, ils, ils veulent aller pour mmh. décrire un, un examen qui sera, qui sera standard et donc qui pourra être utilisé pour décrire les interfaces aussi bien sur iOS, Android que sur UWP. Ouais. Alors là où je dis où, où que c'est une refonte de, des Xamarin Forms, parce qu'il ne faut, faut pas se faire d'illusions, tout ce qu'on peut faire avec le Xaml, le, sta, le XAML actuel, pas standard, avec le XAML actuel, on ne pourra pas le faire en, 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 Xaml, en XAML standard. Euh, pour l'instant. Pour l'instant, mais je rappelle quand même que, euh, Xamel euh, repose euh, in fine sur une technologie DirecTX, donc c'est sur du, du dessin et sur euh, l'interfaçage entre le dessin et, euh, et, le, et les interactions utilisateurs. Euh, et c'est DirectX donc, qui est natif au sein de, au sein de Windows euh, spécifiquement. Dans iOS, dans Android, tu n'auras jamais ce genre de choses. Et mmh. dans iOS ou Android, tu reposes euh, de toute façon in sur les contrôles du système. Euh, quand, tu dis, quand tu dis je veux un bouton dans Android, euh, bah, c'est un bouton Android, ce n'est pas un bouton euh, qui est dessiné. Et, est vraiment, et où tu veux en venir que là où je veux en venir, c'est que le, le, le XAML standard, c'est pour vraiment le prendre comme une, une nouvelle version de Xamarin Forms et non pas comme une nouvelle version de, de XAML au sens, au sens complet. Quoi. Euh, quand on, on voudra faire une nouvelle application euh, Xamarin standard, on sera quand même assez vite limité par rapport à ce qu'on peut faire avec de, de, de l'UWP. Oui, mais l'avantage aussi, c'est, on voit par exemple dans les composants, tu as le stack panel, c'est que si on dit par exemple actuellement dans Xamarin, je ne sais plus comment il s'appelle, ce n'est pas stack panel, c'est... Je ne sais plus, stack quelque chose, enfin bref, c'est juste le nom quoi. Euh, au lieu, bah, ici pour le moment, il s'appelle bouton, quand c'est un bouton, ils auraient pu l'appeler... Oui, c'est ça, stack layout, par exemple, pour le stack panel. Donc déjà, c'est pourquoi changer le nom. Et c'est vrai que si on a un standard d'où oui. je suppose le nom Xamel standard, ben, ça permet d'uniformiser un petit peu ça et de ne pas se poser les questions après. Alors c'est vrai qu'après il y a peut-être des aspects techniques sur certains types de composants, mais un élément de type bouton, ben, à bouton ça existe partout, ben, au moins qu'on l'appelle de la même manière dans tous les... sur toutes les plateformes. Oui, c'est ça le gros avantage, c'est qu'on aura quelque chose qui sera euh, standard pour iOS, Android et UWP. C'est ça. Euh, on n'aura pas besoin de, de réapprendre on aura les un designer qui sera le même pour tout le monde. Euh, ah oui. enfin, c'est là où, ça sera, enfin, où ce sera génial. Je ne dis pas que c'est une mauvaise nouvelle hein. je dis juste qu'il ne faut pas, faut pas non plus trop s'emballer. Il y a un, un exemple bête et méchant quand tu regardes le, un button, ce qui est proposé au niveau de la spécification, c'est qu'il a une propriété content. Ouais. Euh, content, euh, là il y a marqué donc, sur l'image, sur il y a marqué MyButton. Euh, on sait très bien qu'en UWP ou en XML normal, entre guillemets, on peut mettre ce qu'on veut comme content. On peut, mettre, euh, on peut mettre du texte, on peut mettre un texte bloc, on peut mettre euh, quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, on peut ouais. mettre un tree view si on a envie, on peut mettre un listview view à l'intérieur d'un content va très ça va très loin. Euh, et ça, euh, bah, mettre un preview, par exemple, dans un button, bon, d'abord, ça, ça ne sent pas grand-chose, mais... Euh, par contre, euh, non, non, mais tu peux mettre, par exemple, un, un stack panel. avec À l'intérieur du stack panel, tu mets une image et puis un texte ouais. euh, Et euh, sur iOS, ça va donner quoi, euh, si tu fais bah, ça Voilà, c'est là où ça commence à être compliqué, quoi, au niveau de l'interprétation. Donc, euh, c'est un framework un Element au sens XML. Euh, là, au sens XML standard, je ne sais pas ce que ce soit. Ouais, maintenant, ça pourrait être limité peut-être en fonction des plateformes. Par exemple, là, on voit le content égal my button. Je suppose qu'il pourrait dire, par exemple, que le contenu ne peut être que du texte si ça se trouve sur certains types de plateformes et, et plus avancé si, si jamais c'est autre chose. Voilà, c'est ça. Bon, dans dans l'idée, c'est bien. Euh, ouais. euh, moi, je dis surtout que c'est une évolution d'Examarine Forms. C'est ça où c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on aura quelque chose qui sera standard pour, pour l'ensemble des plateformes. Quoi. Il fallait bien que ça commence comme ça, de toute oui, façon. Oui, oui. oui J'espère oui, que l'histoire, elle va aller très, très loin. Et puis après, ben voilà, Microsoft a racheté Examarine, Examarine à l'époque, euh, ils ont travaillé dans leur coin sans regarder, peut-être volontairement, pour ne pas faire une copie euh, de leur Examarine euh, Forms, pour pas que ce soit une copie du Xamel. Mais euh, du coup, maintenant, c'est une uniformité. Uniformisation, pardon, euh, oui. et ben, ouais. <laughs> elle, euh, elle est juste logique suite au rachat, quoi. Fallait s'y attendre tôt ou tard, de toute façon. Oui, ouais. oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas. Euh, je dis pas que Xamarine est, est, est mort, je dis juste que ça, ça évolue et que le, le, le non-marketing va disparaître. Xamarine n'est pas mort, il est intégré. Voilà, c'est ça. Et je, je ne sais plus où j'avais entendu, mais je ne sais plus, dans un, un des podcasts. C'est peut-être un podcast sur lequel tu avais participé, toi, Christophe, à, à la build, c'est possible. Que justement, parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi ils n'ont pas utilisé les mêmes noms On voit par exemple content ben, qui se trouve en, en texte d'un côté. Pourquoi c'est click et on-click de l'autre côté Pourquoi ça s'appelle que... stack layout, stack ouais. panel C'est ce et... euh, Laurent Bignon. Oui. Ah ben voilà, c'est ça, c'est Laurent bougnon qui expliquait ça, que ça serait a priori peut-être aussi pour des questions de de, de, fin de droit et autres, c'est que Xamarin, au moment où ils étaient séparés de Microsoft, ben ils, avaient, ils ne pouvaient pas aller vraiment décompiler le code, le framework pour des questions légales, et donc ils devaient simplement obtenir un résultat, et ils inventaient en quelque sorte le, le, la manière de pouvoir y arriver, donc de, de pouvoir créer un clic, de pouvoir de pouvoir créer un content, et donc forcément, du coup, bah, sans aller voir ce qu'il y avait derrière, bah, ils obtenaient des, des libellés ou des noms différents. Quoi. Ici, mmh. comme c'est maintenant la même société, bah, évidemment, il y a non seulement un intérêt et une simplicité d'avoir le, le même libellé, le même, la même propriété pour tout le monde. Mmh. Ça simplifie énormément les choses, ça c'est clair. Et ce qui permet, par exemple, là, de, maintenant, de pouvoir faire du, de l'ASP.NET Core sur, euh, sur un Mac avec Visual Studio euh, pour Mac. donc Ce qui est ouais. assez, assez sympathique. Ouais. Si on avait dit ça il y a ne fût-ce que quelques années en disant Microsoft va commencer à faire ce genre de choses, donc des développements pour Mac avec des outils de développeurs pour Mac, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui auraient misé dessus. Ouais. Et on peut s'imaginer qu'UWP devienne vraiment universal un jour. Je ne crois pas tout de suite, mais je pense que finalement, un jour, ça arrivera bien. Bah ici on est vraiment au balbutiement, hein. il, y a, bah, il y a .NET Core qui est là, il y a Xamarin qui est de l'autre côté, enfin, c'est les mêmes objectifs pour chacun, mais on dirait vraiment que tout va dans le même sens, Quel, lequel va gagner Une fois que Microsoft arrive à ce que son propre UWP soit universel sur ses systèmes à lui, bah, la suite c'est d'aller ailleurs. Ah oui, non, tout à fait, ça oui. c'est clair. Maintenant, ce n'est pas exactement la même chose qu'on écrit dans tous les systèmes. Donc, euh, ça, ça va être peut-être la, la, la difficulté, c'est quelle, quelle technologie choisir Est-ce que c'est vraiment Xamarin, comme tu le dis, Richard Est-ce que Xamarin est, est mort ou pas Est-ce que c'est lui qui va survivre, donc qui va imposer sa manière de, de coder, d'écrire, en quelque sorte Donc, du c oui. Mais après, c'est tout ce qui est au-dessus, quoi. Les interfaces, la manière de travailler. Donc... Euh, ben, ben, et. Il y, a, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il euh, y a une grosse attente du côté de. Alors, maintenant, de Xamai Standard, mais d'Examarine de, de Forms. Il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui sont très, très en attente de, de l'évolution d'Examarine Forms, parce que mm. euh, c'est vrai que ça, ça, si ça permet de, de, de gagner du temps en développement et de pouvoir targeter euh, l'ensemble des trois plateformes, euh, ça intéresse énormément les, les, les sociétés. Hein. Ouais. Ah oui, oui, ça, c'est clair. Et ah, puis, Microsoft, il va y gagner à mort. Oui. Et même par rapport aux autres, parce que c'est vrai que Microsoft se positionne dans l'aspect je développe pour tout le monde, et il n'y a personne d'autre qui fait ça. Mmh. Que ce soit Android, euh, enfin Google ou que ce soit euh, Apple, bah, ils ont des solutions pour leur plateforme, parfois ils développent pour les autres, mais ce n'est jamais un outil unique. Et c'est vrai que pouvoir développer, à part faire du web ou du JavaScript, c'est quasiment les seuls langages ou les seuls mmh. outils pour le moment qui permettent de faire, bah, qui sont toujours de l'interpréter, enfin, ou du semi-interpréter. Alors qu'ici, on va vraiment pouvoir développer en natif avec toutes les possibilités que ça donne derrière. Dis-moi, que... Richard. Oui. Visual Studio pour Mac. Est-ce oui. que je peux targeter un Android Ah, la bonne question. Est-ce que tu peux targeter un Android euh... oui, 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 oui. Ça veut dire que si je développe sur vraiment, je peux faire une application mobile iOS et Android avec Visual Studio for Mac, Pour Mac. Oui, parce qu'actuellement, tu peux, tu, peux tu peux faire un projet Xamarin sur Visa Studio pour Mac. D'accord. Sur, sur, je... sur Xamarin Studio, déjà. Et aussi, du coup, je peux faire une application pour les trois OS euh, principaux, hors, euh, hors euh, Chrome, Google Chrome. Enfin, comment oh, oui. le OS Hors IWP. Ah Pourquoi bah, Pour la raison que je t'annonçais je tout à l'heure, c'était hier. Tu... Ah, bah oui. D'accord. Ouais, donc pour développer en UWP, on est obligé de développer sous Windows. Ouais. D'accord, ah ouais. d'accord, d'accord. Mais ça veut dire qu'une une entreprise qui fait une application qui target à l'heure actuelle iOS, Android, bon sur Mac il n'y a pas de souci. Le même code source, on peut imaginer que dans quelques années, ce même code source, elle se met sur euh, le, le, elle prend, elle développe la même chose mais sur Visual Studio d'un PC, son code va tourner. On se projette un petit peu plus loin. Mmh. Il va toujours targeter Android, Android, iOS Android, mais là, il pourra en même temps targeter UWP. Oui. Sans avoir en rien touché si on se projette un petit peu plus loin. Oui, oui. Et puis, euh, de toute façon, c'est aussi l'idée de, de .NET standard, euh, de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, cibler l'ensemble le, des plateformes. D'accord. Actuellement, il y a des entreprises qui le font euh, concrètement avec euh, 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 le Xamarin. De, le, allez, on va dire. Visual Studio pour Mac, qui travaille que pour Android et iOS, oui Oui, ça, je pense qu'il y en a je, beaucoup. Je, je pense, pense oui. oui, oui. Ouais. D'accord. Donc ça ne leur coûterait et... pas grand-chose de targeter Windows, tout ou tard. Maintenant, non, ben non, je ne pense pas que euh, le nombre de développeurs qui sont sur, euh, sur Mac et qui targetent iOS et Android utilisent beaucoup Visual Studio pour Mac. Ah oui. Mais... <laughs> non, Visual Studio pour Mac, mais Xamarin, euh, Xamarin Mac, oui. Oui, oui non, mais quand je, est... Studio, je, je dis Visual Studio, j'utilise de nouveaux noms. Ouais. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Enfin. Et c'est vrai que l'utilisation aussi de .NET standard et de pouvoir notamment faire du développement pour euh, Linux, parce qu'il y a quand même beaucoup de serveurs de développement de sites web et des choses comme ça qui ont besoin d'avoir des ressources et de pouvoir développer en .NET et de pouvoir du coup déployer sur, euh, sur Linux. Là, il y a également aussi, je pense, beaucoup de, de sociétés qui sont intéressées. Je ne sais pas mmh. si elles développent déjà maintenant en production, en tout cas, avec ce genre de, de technologie, parce que c'est quand même assez récent. Mais, mais ça va arriver. Et dans tout ce qui est IoT aussi, je pense. Tout ce qui est système vraiment euh, embarqué, les, les mini-systèmes, etc., qui sont aussi beaucoup sur des systèmes à plateforme Linux, il bah, n'y a plus de limitations à ce niveau-là. On oui, fait du développement, développement, mais c'est plus de la couche métier. Il y a moins des aspects d'interfaçage graphique. Oui, absolument. Ok. Bah, c'est très bien. Très intéressant, en tout cas. Il y a d'autres points que vous voulez soulever avant de passer au dernier module non. non. Christophe non plus <laughs> Non, 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 non. Je, je, je suis admiratif de, de vers où ça peut aller. Je suis admiratif du futur. Examen <laughs> standard, euh, Xamel, oui, examen standard. Euh, on va pouvoir attendre. <laughs> bah, écoute, C'est la version 1.0 quand même. C oui, c'est oui, la version 0.1. Oui, c'est ça. Parce que une, une version 1.0 avec 4 <laughs> composants ou 5 composants, c'est ouais, bon un peu léger. Quoi. Quoi. Oui. Ouais. Ouais, ouais. ouais, 1.0, quand même. Ils n'ont pas peur. Hein. As bah, raison, on donne des numéros. Par erreur. <laughs> ok. Ok. Euh, bah Peut-être alors à ce moment-là le dernier dernière partie qui me concerne puisque c'est le module moi que j'ai préparé. Et ben bah moi ce qui m'avait frappé également ici c'était ce qu dit, ce que Microsoft appelait le Fluent Design. Donc les nouvelles chartes graphiques et les nouveaux composants également, la nouvelle vision graphique que Microsoft met en place autour de ça. Puisque jusqu'à présent, ben, il y a eu un intérêt au départ, mais beaucoup de critiques aussi sur tout ce qui était les, le design plat, le flat design. Que d'autres sociétés, enfin d'autres fournisseurs, que ce soit Android et, et iOS, ont repris ensuite et ont adapté évidemment. Eh bien, Microsoft veut un petit peu avancer là-dedans. Et donc j'ai repris moi un peu vraiment tout ce qui avait été présenté à la Build lors d'une session pour euh, en rediscuter ici, et remontrer un peu les, les points clés que moi j'ai pu repérer qui m'intéressaient. Et donc ben, déjà la première chose qu'on peut, qu'on va pouvoir signaler, hein, c'est que les fameuses, le fameux design métro. Donc ben, Microsoft, enfin, on peut dire un petit bon. peu que c'est un peu fini, mais fini le métro et bonjour maintenant tout ce qui est Microsoft Fluent Design. Et donc ça, le Microsoft Fluent Design System ou bien le Fluent Design, c'est donc en résumé le nouveau design d'interface de Microsoft qui arrivera avec la Windows 10 Fall Creator Update, donc la, la prochaine, hein, prochaine mise à jour qui sera disponible en, en septembre prochain. Et donc qui, on aura. Comment ça va apparaître qui commencera à apparaître, ouais effectivement, à partir de septembre prochain. Mais donc, euh, n'essayez pas, même si vous êtes développeur, sans avoir ça, de pouvoir essayer de développer avec tout ce que je vais vous montrer par après, les, les petites démos. Parce qu'évidemment, il faut avoir le, le, le Windows en dessous, le kit, le kit de développement qui fonctionne bien pour que tout ça fonctionne. Je crois que ça existe déjà, peut-être, dans des versions Windows Insider. Moi, je n'ai ah. pas installé Windows Insider, mais je sais pas si toi, Christophe, tu ouais, as ouais, testé ouais. ça Oui, ouais, ouais. on voit apparaître déjà euh, Groove, euh, Contact, euh, tout est, un, est déjà en Fluent Design. Alors, ouais, pas ça. au niveau de, de la profondeur du depth, mm -hmm. parce que tu n'as pas encore cet effet, euh, tu sais, où ça bouge un petit peu, là. Ouais. Mais euh, tout ce qui est Blur, tout ce qui est Light, euh, tout ça, c'est déjà intégré. Oui, c'est ça. Ok, bah, donc ça, c'est ce qu'on verra à ce moment-là. Et c'est vrai, on va le voir, alors... Tout ce qui va être montré ici, Microsoft le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, technologiquement, techniquement, c'est possible. C'est pour ça qu'il va falloir après en mettre partout. Je pense que c'est l'application Contact d'ailleurs maintenant qui est quasiment transparente euh, partout. Et, et bah, il faut que ce soit encore utilisable après. Quoi. Si on, on met tout en transparent, on voit peut-être plus grand chose. Donc il euh, faut pouvoir euh, jauger vraiment. Et là, c'est vraiment un métier de designer qui va permettre de dire ce qui est intéressant ou pas. Mais en tout oui. cas, c'est intégré au système et, et c'est Oui, mais non. Parce que l'application, tu dis qu'elle est euh, transparente partout. Non, je ne suis pas d'accord, puisqu'en fait, ils vont utiliser ce qu'ils appellent le matériel. Et ouais. du coup, il euh, y a une sorte de blour, mais qui est très léger selon le, le, le matériel utilisé au niveau de, cette enfin, de ce blur. Ce qui ouais. fait que la liste des contacts, euh, bah, sur la gauche, elle est, euh, on le voit très accentué, mais pas au niveau du contenu à droite euh, dans contact. Donc, ils l'ont amélioré quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ben c'est bien, Mais ça évolue. C'est ouais, ouais, toujours en insider aussi. Donc, euh, oui. On va en voir des retours et, et puis ça permettra d'améliorer tout ça pour que ce soit le mieux possible la prochaine fois. Mais à utiliser parcimonie, je suis bien d'accord. Donc ben, on va se retrouver ici avec un design, disent, un peu plus immersif, multidimensionnel. Ça c'est aussi la, la grande nouveauté par rapport au flat design pur euh, qui était vraiment un aspect euh, vraiment très à plat et très carré. Et donc ici en deux mots, ben, on va se retrouver avec un design beaucoup plus moderne qu'on retrouve parfois certains concepts dans d'autres euh, types de, de systèmes aussi et parfois certains éléments qui sont plus des nouveautés. Donc en résumé, ce nouveau design va être construit sur une base de, ben, de vagues d'évolution successives. Où tout le monde va pouvoir participer. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir. Et donc le résultat de cette première vague, de ce premier élément, de ce premier jet, c'est ce qui était présenté par Microsoft à la, à la Build, hein, donc la, la dernière. Et donc ce nouveau design va être axé sur cinq éléments qu'on voit ici pour ceux qui ont les slides. Le premier, ça va être la lumière. Il va avoir un élément qui va être le mouvement. Donc on va voir un petit peu comment tout ça va pouvoir bouger. La gestion des matériaux, donc euh, tout ce qui est je vais dire 3D également, les aspects de profondeur et les aspects d'échelle, donc de, de tout ce qui est redimensionnement. Et donc, quelques exemples qui seront, qui seront et je dis bien seront disponibles dans, sur Internet en projet ouvert aussi, qui est, donc ça, ça sera sur githubcom microsoft/slash buildcast, donc B-U-L-D-C-A-S-T. Pour le moment, le site est là, mais il n'y a pas encore le projet qu'ils qu nous ont montré. La personne, le présentateur nous explique que tout n'est pas encore complètement fini, mais donc ça arrivera d'ici quelques jours, j'espère en tout cas, où on va pouvoir vraiment pouvoir tester tout ça, en condition évidemment encore une fois d'avoir la Windows Insider qui correspond à ça. Mais donc en termes de fonctionnalités, ce que je vais vous montrer d'ici quelques minutes, c'est qu'on va retrouver différents types de fonctionnalités au niveau du Windows. La première chose, c'est la notion de ce qu'ils appellent l'acrylique. C'est-à-dire ça, ça c'est ce que Christophe disait, c'est avoir un fond transparent avec des effets, donc un background, ou bien dans l'app. Donc, on peut avoir un effet transparent complet par rapport à Windows, ou on peut avoir une zone de l'application qui est transparente avec ce qui se trouve dans l'application en dessous. Style, si on ouvre une fenêtre, ben, le contenu de la fenêtre peut être en transparent avec un peu d'effet d'opacité. Ça, c'est ce qu'on retrouve un petit peu sur la, la vidéo ici en haut à gauche. Ensuite, il y a des aspects d'effets dits de, de, de parallaxe, et ça, c'est, on ne le revoit pas ici, on le verra plus tard. C'est des aspects de déplacement horizontal ou vertical, mais reliés à un décor. C'est typiquement ce qu'on retrouve aussi depuis déjà pas mal de temps dans, dans des jeux vidéo et même les, les jeux vraiment de base, où vous avez les arbres du fond qui ne se déplacent pas à la même vitesse que la petite voiture qui se trouve devant. Et bien donc, on va pouvoir faire exa exactement le même type de, de défilement, que ce soit horizontal ou vertical. Bah il y est parce qu'on avait ça sur Atari et Amiga, hein, ceci. Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça que ça fait un bout de temps, mais donc euh, ici ça va pouvoir <laughs> arriver, c'est bien. Non mais c'est connu comme effet. C'est connu comme effet. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais on va le voir après dans quelques exemples. Ça, l'effet, est, enfin, est surprenant, est vraiment attractif, quoi. Ça donne un, un effet supplémentaire à l'application qui est vraiment très intéressant, très cool. Et ça, je trouve ça pas mal. Et d'ailleurs, dans tous ces aspects-là, il y a le, les aspects d'animation. Et ça, c'est ce qu'on retrouve un peu en haut à droite ici sur l'écran, ou en bas aussi, c'est des, des adaptations, donc des, du repositionnement, euh, pardon, des, des aspects de coordination. Donc par exemple, quand on va cliquer sur une zone, sur un élément, il va pouvoir repositionner une image et la redéplacer, donc avoir un espèce de, d'effet de, de transition entre deux écrans. Et on va le voir, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. C'est qu'entre la, la navigation d'une page à l'autre, on va pouvoir lui dire je vais naviguer de ma page 1 sur ma page 2 avec une animation intermédiaire de telle zone, telle image qui va pouvoir être animée avec tous les effets d'animation qu'on peut retrouver classiques. Quoi. Ce qui explique que c'est extrêmement difficile à décrire uniquement, ouais. <laughs> uniquement par la parole. C'est vraiment que par la, visuellement parlant qu'on peut, on peut voir comment ça se passe. Quoi c'est Et c'est pour ça que c'est vrai que ceux qui ont les slides, c'est plus simple parce qu'il y a des petites vidéos que j'ai mis dessus. Maintenant, avec le projet Buildcast qui se trouvera d'ici quelques jours, ben, quand on pourra l'exécuter, il y a tous les effets qu'ils ont présentés qui se trouvent à l'intérieur et qui, et qui sont mis de manière quand même assez cohérente. quoi. Ça, c'est pas mal. Euh, il y a un autre aspect aussi, c'est les aspects de vidéo. Donc, on va pouvoir également intégrer des, des vidéos avec vue 3D, qu'on retrouve aussi maintenant de plus en plus sur Internet. Ben, on, retrouve ça également dans, on va pouvoir retrouver ça facilement dans nos projets. Et tout ce qui est également euh, stylo, le ink, donc euh, l'encre virtuelle, va pouvoir être également intégré dans, très facilement avec simplement quelques composants. Alors, j'ai repris, pas tous, mais euh, certains composants. Et le premier, ben c'est celui dont on parlait tout à l'heure, Christophe, qui est le, le, ce que Microsoft appelle ici Navigation View et qui est dans les autres, les autres frameworks ou même dans le, celui du WTool, WP Toolkit, Community Toolkit, qui est le hamburger classique. Euh, ben ici, il s'appelle Navigation View et donc c'est la barre de navigation. Et cette barre de navigation qui a la forme d'un hamburger, il y a toutes les options classiques et possibles dans lesquelles on va pouvoir le faire défiler. À gauche, à droite, quand on appuie sur l'hamburger, sur, sur les trois petites lignes, avec directement l'intégration des icônes. Avant, il fallait souvent passer par des caractères et on avait des fontes à l'intérieur. Ici, on va directement pouvoir mettre le nom de la fonte en quelque sorte qu'on va vouloir utiliser euh, de mettre son texte de mettre directement l'utilisation de cet hamburger, comment il va se représenter et tout ça est intégré avec tous les autres effets. On le voit d'ailleurs ici sur l'écran, c'est l'aspect de fait de, de Blur, donc de, un peu de transparence. Donc tous ces composants de base vont pouvoir être liés avec les autres effets qu'on va retrouver également au niveau du design. Quoi. Et donc cet objet, on va dire, ce Navigation View, ce nouvel objet, euh, ben, va nous permettre directement d'intégrer cette, euh, cette barre de navigation qui va s'adapter en fonction du device aussi. Ça, c'est l'aspect redimensionnement, le Scale dont on parlait juste avant on verra un peu après aussi, eh bien, en fonction de la taille de l'écran, donc si on est sur un mobile ou si on est sur un écran plus large, un écran de PC, on va, voir, on va pouvoir définir une taille ou un positionnement un peu distinct l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, ça c'est le, le premier type de composant. Alors à l'utilisation, on va pouvoir rajouter du code et notamment ici, c'est avoir la possibilité de mettre la, la barre de titre. Il y a beaucoup d'applications où on a une barre de titre, on va dire, bleue, avec les, les boutons euh, mettre en minifié, donc euh, minimiser, agrandir, etc., ou la croix qui se trouve en haut à droite. Et bien, on va pouvoir faire vraiment une intégration de ce que l'on souhaite. Là, ça se fait plus par code, donc de la title bar dans laquelle on peut donner tout ce qu'on veut en termes de, de, de couleurs, en termes d'état, donc à la fois vers cet aspect, cet aspect de transparence, cet aspect dégradé, et euh, on peut le gérer, ça je reviendrai aussi juste après, c'est qu'on peut le gérer en fonction aussi du device qu'il supporte ou pas. Et donc ça, ça existait déjà il y a, il y a quelques mois ou quelques années maintenant, il y a une, une méthode qui est dans API Information qui est le East Eye present dans lequel on met une chaîne de caractères qui dit tiens, si ce, cet espace de nom, ce namespace existe sur la plateforme dans laquelle je suis, à ce moment-là, je vais exécuter le code qui se trouve en dessous. Et donc dans ce cas-là, dans ce cas-ci, si on se retrouve dans un Windows 10, par exemple, qui supporte cette fonctionnalité de title bar, ben, je vais pouvoir exécuter le code. Et donc ça ne va pas planter si jamais l'outil, je vais dire, ou le SDK n'est pas disponible pour ma plateforme, quoi, pour mon outil. Et donc là, en une ligne de code, on instancie simplement ici un, un objet de type « core application view title bar et puis on peut lui dire, je veux étendre mon application avec cette barre d'outils, enfin cette, euh, ce titre, et le résultat, c'est que directement, ça apparaît au-dessus, donc euh, mon application est fondue, comme on a sur les applications de Microsoft, je n'ai plus ma barre bleue, un peu moche, qui se trouve au-dessus, enfin bleue, peu importe la couleur, mais qui se trouve au-dessus, elle est vraiment fondue avec mon titre qui se trouve à l'intérieur, voilà. Okay. C'est ce qu'on retrouve ici en haut de l'écran. On retrouve directement le titre avec le bouton euh, retour en arrière, par exemple, et, euh, et, et les boutons euh, maximiser, la croix qui se trouve en haut à, en haut à droite. Tout ça directement. Donc il n'y a plus vraiment cette barre. Ça fait une seule application, un seul rectangle, on va dire, pour la fenêtre dans laquelle je me trouve. Alors un des effets qui était le, le plus intéressant et le plus applaudi peut-être lors de la présentation, c'est l'effet dont j'ai parlé, le acrylique matériel. Et donc ça, c'est vraiment ici intégré à Windows, intégré au système. C'est le fait d'avoir cet aspect fondu, cet aspect de blur, donc de, de, de transparence au-dessus d'un composant. Et comme j'ai dit, c'est soit un aspect de transparence par rapport au, au bureau, par rapport aux applications qui se trouvent en dessous, ou soit dans l'application elle-même. Donc on va pouvoir simplement définir une zone comme un rectangle et de dire que cette zone-là... Par exemple, ma fenêtre qui va s'ouvrir au-dessus, elle est en fenêtre transparente par rapport à ce qui se trouve en dessous. Et ça, ça va pouvoir être géré directement par Windows. Donc, ils nous ont fait quelques démos en termes de performance. Ben, c'est quasiment, enfin, c'est immédiat, je vais dire, c'est intégré directement, dans, je suppose, en DirectX et dans la technologie de, de bas niveau de Windows. Mais alors, surtout aussi, ça va pouvoir être géré par des règles. Et si j'ai bien compris, même à terme, l'utilisateur pourra peut-être les activer ou les désactiver en fonction de certaines conditions. Exemple, s'il veut que son application, que son écran, parce que son PC est un peu plus lent, son, sa carte graphique est plus lente ou son CPU est plus lent, mais il va pouvoir dire ⁇ je ne veux pas activer cette fonctionnalité ⁇ Certes, celle-là, donc l'aspect acrylique, voire d'autres aussi qu'on va voir par après d'effets, de, on va pouvoir les désactiver, soit pour ça, soit si la batterie parce qu'apparemment, ça bouffe énormément de, de performance ou de puissance au niveau batterie. Et donc, dans ces deux cas-là, on va pouvoir, ou peut-être d'autres cas aussi, on va pouvoir désactiver les options d'acrylique, par exemple, dans ce cadre-ci. Et donc, moi, je me mets dans le cas, par exemple, d'un téléphone qui est peut-être un peu plus léger en termes de, de processeur. Peut-être que ces options seront peut-être désactivées de, de manière automatique, ou qu'on pourra régler ça en fonction de, ben, je ne sais pas, je suis à 20% de batterie, je veux pouvoir pré prédominer la batterie par rapport au reste, et donc je pourrais désactiver ça. Quoi. Je vais faire encore ma, 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 mauvaise, ma mauvaise langue, mais il, il me semble que dans Windows Vista, on avait un ouais. petit peu, alors ce n'est pas exactement le même effet de transparence, mais, parce que sinon je vais me faire engueuler, mais on avait cet effet de, de, de transparence. Et euh, l'une des raisons pour lesquelles justement ça avait été abandonné, c'était euh, ils avaient dit que ça consommait, de, ça consommait de la batterie et que ouais. c'est pour ça qu'ils voulaient l'abandonner. Oui, tout à fait. Ben, ils sont revenus là-dessus aussi. et C'est ce qu'ils disaient. Euh, apparemment, ce n'est peut-être pas encore complètement clair ou défini dans quelles conditions ces règles, ces policies vont pouvoir désactiver ça. Est-ce que ça se fera de manière manuelle ou de manière automatique en fonction de certaines conditions Ça, à voir. Mais apparemment, ça pourra être désactivé. Et on va le voir après. C'est juste une ligne de code pour pouvoir justement activer cet effet de transparence. Ben, je suppose qu'il faudra quand même régler le cas, le visuel, pour que si jamais l'effet n'est pas là, que ce soit quand même une application qui soit agréée. Soit agréable mmh. à regarder, quoi, ouais. mais il y a ouais, toujours, mis, moi, mais est bon. toujours ça, ouais. Moi aussi, c'est encore une fois. C'est vrai que c'est un, un des points. Il y en a un deuxième qui reviendra après, mais un des points qui a été très, très applaudi, je veux dire, qui était très souhaité par les personnes qui étaient présentes là-bas. Et c'est vrai que graphiquement, c'est joli. Hein. Mmh. Bon. Faut pas le mettre partout. Donc là, on le voit sur le menu. Et je pense que c'est l'application contact. Et peut-être comme ça aussi, un hein, Christophe, c'est les aspects avec la ça. liste. C'est exactement contact. ça en fait. Ouais. Ce qu'on a sous les yeux, c'est contact. Oui, c'est ça. Ça, je trouve ça pas mal. C'est vrai que ce qui se trouve avec la liste des contacts à gauche ou bien la liste du menu qui se trouve à gauche avec un effet de, de transparence, de, je ne sais pas, moi, il y a peut-être 10-20% de transparence, donc on, on arrive quand ouais. même à lire. Et alors, ça donne un effet qui est... Du point de vue d'un designer, comme on dirait présentement, en fait, ce qu'on a sous les yeux, c'est que <laughs> le contenu, en fait, est encore plus mis en avant parce que ouais. tout ce qui est le burger menu à gauche se fond oui, ben il est un peu plus voilà en retrait ce qui à peine amène disons un intérêt pour pour l'application moi ce qui me manque maintenant c'est enfin, d'ajouter un petit peu plus de de, de deft de profondeur à l'appli pour que ça soit encore plus fun quoi. Ouais. ça on va voir par après à mon avis moi, la, la difficulté que j'aurai, parce que mettre un, une transparence comme ça ça va être assez facile c'est une ou deux lignes de commande une ligne de code mais par contre, effectivement, les combiner avec, tu dis, la profondeur et avec les autres effets. Ça risque d'être plus chaud pour le développeur, pour du euh, euh, ouais, non-designer. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Pour nous, pour moi qui ne suis pas designer du tout, euh, j'ai déjà du mal quand je dois mettre deux couleurs ensemble, si c'est du vert ou du rouge. Alors là, j'imagine pas ce que ça va donner. Ça va, ça va devenir illisible. Mais bon, c'est bah, oui, un métier, le hein, designer. Mm -hmm. Moi, je trouve ça toujours très joli. C'est pour ça que le sujet m'intéressait, mais je suis incapable de le faire. Hein. J'arrive à faire des petits trucs, mais je prends les modèles, je copie. Ouais, bah ouais. Et donc, ben, en pratique, voilà comment Microsoft met ça en place. Il a ben, tout simplement, en, entre autres, notamment euh, défini un, une ressource. Donc, un, il y a un thème ressource. Donc, par exemple, on prend un rectangle, on fait rectangle fil égal, et on met thème ressource, système contrôle acrylique window brush. Et Putain, au Monopoly, on est fort. Au Monopoly. Enfin, oui, euh, non, pas Monopoly, mais euh, euh, t'as vu le, le mot qu'ils mettent Les mecs, ils sont. Euh... Ah ouais, ouais, mais ça, c'est le système contrôle hein. Chrome High Acrylic Windows Medium Brush. Voilà, ça, c'est le deuxième. Et t'as le système contrôle Acrylic Element Accent Medium High Brush. Sans heureusement qu'il qu y a l'intellicense. Hein. <laughs> <Sans rire> bah bah, ils, ils, hein. ils sont limités. Ils sont limités à 256 caractères, quand même. Euh, oui. <laughs> Putain, on a du bol sur le coup. Non, je disais le monopole. Le, le, on appelle ça le jeu et des mois. Je sais pas si c'est le des Scrabble. Dessins, c ah oui, le Scrabble. Ah oui, non, on fait des points, ça, c'est clair. Hein. Surtout avec le nombre de lettres à, à l'anglaise. On va surtout avec des C, des Y, des Z. Non, c'est bien. Mais ceci dit, voilà, c'est super facile à utiliser dans le, la partie xamel oui, bah c'est ça. Au niveau Xamel, euh, bon, alors après, y a, ils ont montré d'autres choses. Il y a moyen d'étendre. Si on fait ses propres jeux de couleurs pour avoir des thèmes de base, il y a moyen de repartir sur des thèmes existants. Donc, ces thèmes-là, et puis de les, de les étendre et de rajouter. Donc, si on est designer, on peut aller beaucoup plus loin que simplement utiliser le, le modèle qui est là. On peut créer, et pour peut-être mettre à ce moment-là des noms plus courts. Ça va pouvoir t'aider, Christophe, pour pouvoir les retrouver plus facilement. Mais il y avait Télé-Sense pour ça, comme tu dis. Ouais. Il alors, toujours là dans la catégorie euh, langue de pute euh, thème ressources n'est pas supporté par examen standard hein. ah. <laughs> et c'est normal c'est la version euh, 0.0001 ouais. oui on peut pas faire de template actuellement de, des contrôles sur euh, l'examen standard standard ça viendra ça parce que ça, ça, va, être, euh, ça va devenir indispensable <laughs> Alors, une autre fonctionnalité, et au début il m'a fallu deux, trois fois avant de comprendre exactement, parce que j'avais l'impression que ça existait déjà, ou du moins ça me paraissait évident, je vais dire, et, et ben non, c'est l'aspect euh, lumière et voilà, révélation de la lumière, on va dire. C'est-à-dire que Microsoft a maintenant mis un système de, de style pour pouvoir, le, le cas le typique qu'on va voir, c'est le, le bouton. Quand on passe sur le bouton, ben, le bouton va pouvoir en quelque sorte s'éclairer. Alors, s'éclairer, c'est changer un peu de couleur ou avoir un effet de bordure un peu plus léger, un peu plus. Mais donc, il va permettre de faire ressortir l'élément sur lequel on est en train de passer la souris. Et ça, ils ont justement amélioré tout cet aspect-là aussi de, de passer la souris, on va dire, sur les, sur les boutons, sur les zones. C'est que ça va pouvoir fonctionner non seulement avec la souris, mais avec tous les autres supports, on va le voir juste après, tous les autres supports également. Donc, euh, que ce soit Xbox pour pouvoir passer sur les éléments, avec la manette. Que ce soit le stylo, donc le fait de pouvoir passer dessus, on aura d'autres types d'options, de pouvoir passer avec le stylo et de pouvoir appuyer pour cliquer par exemple et des choses pareilles. Donc on pourra avoir cet effet également de, de révélation, donc de lumière. Et par défaut, il y a tous les composants de base, dont forcément le Navigation View, donc l'hamburger menu dont, dont on vient de parler, et ceux qui existent déjà, Lease View, Grid View, Combo Box, Command Bar et le Media Transport Button qui est le, le petit bouton qui va apparaître en dessous d'une un, vidéo par exemple, ben tous ceux-là ont déjà un style par défaut qui est prédéfini par Microsoft et qui va avoir cet effet-là. Et donc typiquement, ben quand on va passer sur un bouton on va dire classique ou une barre de commande, on va avoir l'effet, euh, bah, je prends le cas de ce qui me vient à l'esprit, c'est dans Word, quand vous passez sur le bouton euh, de formatage ou un bouton qui se trouve dans la toolbar, dans la barre de, de commande, il passe, je pense, en orange par défaut, donc il y a cet effet de faire ressortir le bouton au moment où on fait un survol sur ce bouton-là. Et donc bah, là, en fonction du thème, évidemment, on va pouvoir euh, l'adapter, ça peut être juste mettre un petit filet blanc autour, soit un petit filet noir en fonction du thème dans lequel on est, mais euh, donc il va pouvoir ressortir. Et c'est vrai qu'après réflexion, quand on passe actuellement sur les éléments, on n'a pas tout cet aspect de, de bouton qui ressort, avec ces couleurs qui ressortent. On voit le bouton simplement avec un cadre, on clique dessus et on voit simplement que le cadre, donc le rectangle s'enfonce, mais il n'y a pas cet aspect, euh, comme on le voit sur l'image ici, d'espace de, de, un peu plus clair ou un peu plus fondu par rapport à ça. Donc euh, ce sont des petits détails, mais mine de rien, euh, ça, va, ça va quand même influencer les, les applications qu'on va réaliser. Et donc pour euh, mettre ça en place, ben, il suffit sur les styles qu'on a déjà, donc on voit par exemple ici il y a la définition d'un style qui fait le target type button, on va juste lui donner un base on, donc le contenu qui est mis en commentaire sur le slide dans le code, on met base on égal static resource button, button rival style, qui va être rajouté par rapport au style existant. Et donc ça, ça permet d'avoir tout le style classique, donc on peut avoir une largeur au bouton de... Par exemple, ici, 80 pixels, une hauteur de 40 pixels, une couleur de fond, une couleur de marge, etc. Et en plus de ça, on va utiliser tout cet aspect de révélation de couleurs lorsqu'on passe sur l'élément. Encore une fois, ils ont essayé de faire ça toujours de manière assez simple pour le mettre en place. Et c'est vrai qu'une seule ligne de commande, quelques mots, et ça nous rajoute de la visibilité. C'est ce qu'ils faisaient dans la démo. Je donnerai d'ailleurs le lien vers la vidéo. Ils montraient à chaque fois le projet, on va dire avant, après. Dans lequel on avait bah, le code sans l'utilisation des nouveautés, puis il enlevait le commentaire, il recompilait, il exécutait, et on voyait tout de suite la différence. Et, et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, mais ça, ça donne quand même pas mal de petites nouveautés. Alors, ça, c'est sur toute une série d'autres points qui existe, euh, et je pense en partie aussi dans UWP Community Toolkit, c'est toute une série de commandes sur tout ce qui est liste, collection. Donc on a des list box, les list views, etc. Et donc Microsoft a rajouté bah, des choses qui existent dans tous les systèmes maintenant, telles que le swipe donc passer horizontalement sur un élément de la liste, et faire apparaître, et l'on fait de manière assez facile également, donc de faire apparaître ben, des commandes par défaut, qui vont pouvoir, euh, je ne sais pas moi, un email comme on a dans l'application de courrier, quand on le fait aller à droite ou à gauche, ben, on fait d'un côté ça supprime le mail, de l'autre côté ça le rend lu, non lu, ben, simplement en faisant un swipe gauche ou droite, on va pouvoir gérer ça. Et donc ils ont géré tous ces aspects-là, mais avec aussi une vision, on en parlait juste avant dans les autres sujets, une vision multiplateforme. Donc non seulement utilisable au toucher, c'est le but du swipe, mais avec à chaque fois des alternatives, je vais dire si jamais on travaille sur d'autres plateformes telles que ben, le stylet, tel que le, la Xbox. Euh, par exemple, il y a le menu contextuel. Ben, le menu contextuel sous Windows, typiquement c'est clic droit. Et puis ils ont rajouté le long press, donc le touch long press, et ça sur tous les composants. Enfin, les, tous les composants de base de type Collection qu'on a vu, ils ont rajouté le clavier, ils ont fait un Shift F10, ça permet de faire aussi cet aspect d'affichage de, de clic droit, et sur la Xbox, même chose, il y a le petit bouton qui permet d'ouvrir et on obtiendra exactement le même menu contextuel qui apparaîtra dans tous les cas. Sur le survol, j'en ai déjà parlé, c'est la même chose. Et euh, tout ce qui est raccourci aussi. Donc, tous les, toutes les collections et tous les boutons vont pouvoir disposer également de raccourcis pour travailler au clavier. Donc, euh, encore une fois, la même application va pouvoir servir dans les différents environnements avec lesquels on veut travailler. Et ça, c'est cool aussi. Euh, et donc, ici, ça concernait les, ben voilà, le swipe. On le voit là, il, enfin il s'était mis en preview sur un namespace qui s'appelle preview, mais ils ont simplement rajouté, par exemple, derrière le relative panel, ils ont rajouté une balise swipe-content, dans lequel ils font le swipe-content item, dans lequel ils peuvent mettre deux items lorsqu'on fait un déplacement, et ils ont en plus simplifié ça avec un swipe-container sur le data-template, dans lequel on rajoute dans le data-template une balise swipe-container, euh, swipe dans lequel on dit write-content égale, et on met la commande qui s'exécute lorsqu'on appuie, lorsqu'on fait un déplacement droit au niveau d'un glissé horizontal vers la droite, par exemple. Alors il y a aussi parfois des petites astuces, c'est qu'en fonction de l'environnement, si on fait pour éviter des erreurs du style on est avec un je ne sais pas où toucher, on va peut-être pouvoir faire un déplacement à gauche, et on aura là des options qui vont pouvoir dire que l'action s'enclenche dès qu'on relâche, ou bien on ouvre un menu donc le menu avec un ou deux boutons, et on doit réappuyer, donc recliquer sur ce bouton-là pour pouvoir le valider. Donc ça, ça peut être pas mal si on fait un delete, par exemple, bah on ne fait pas juste un swipe gauche, mais on va faire swipe gauche plus appuyer sur le bouton, euh, sur le clic, sur le bouton qui apparaît. Donc voilà, et dans les derniers points qui sont apparus, c'est les animations connectées. Et donc je disais tantôt il y avait l'aspect fondu, transparence, le blur de tout à l'heure qui était donc l'acrylique qui était très très attendu et ce qu'on a également ici très bien accepté aussi très bah, vraiment aimé, c'est les, les aspects les aspects d'animation connectée. Et la question était surtout de savoir mais comment réaliser ça Et donc on voit un peu sur l'animation ici, le fait de prendre ou de cliquer sur un élément d'un item on clique sur cet item, ça veut dire qu'on change de page, on fait vraiment un, un naviguer tout vers une nouvelle page et cette nouvelle page a priori va afficher cette petite vignette sur laquelle on a appuyé mais va se retrouver à un autre endroit, et il y a vraiment un effet de transition entre les deux. La petite vignette qui se trouve en bas à droite va se retrouver déplacée avec cet effet de déplacement, d'agrandissement pour se retrouver en haut à gauche avec peut-être des informations supplémentaires qui apparaissent en fondu et ce genre de choses. Et donc ça c'est les aspects d'animation connectée, ça veut vraiment des écrans avec un effet de transition qui sont vraiment très intéressants. Et pour faire ça, c'est très simple, je dirais. C'est qu'on se base sur, on le voit ici, source page à gauche, donc la première page, destination de page à droite. Et entre les deux, lors de la navigation, on vient simplement, lorsqu'on fait un navigate to destination, donc un navigate to, avant de faire la navigation, on lui dit voilà quelle est l'animation la, avec laquelle je veux travailler. Et on va pouvoir récupérer cette animation dans le on navigate to. De la page de destination de l'autre côté. Et donc ça permet ainsi de préparer la navigation, parce qu'évidemment, il y a tout un process derrière qui est quand même assez euh, assez long, malèze. je veux dire, à mettre en place, ouais, assez balèze. Et donc on va lui dire ben voilà, je vais prendre ma source image, on la voit ici, il y a une image qui est définie, source image avec une image dedans, je prends cette image-là, je vais lui appliquer une animation que je vais préparer, et cette animation, c'est une animation tout à fait classique comme on les fait actuellement avec des animations de type storyboard ou des choses comme ça. Et de l'autre côté, on récupère un objet, Connected Animation, qu'on va pouvoir demander de faire un try-start pour démarrer l'animation. Au moment où on fait un on navigate tout, donc au moment où la page de destination arrive, et entre les deux, on a tout cet aspect de navigation entre les deux, entre l'image en bas à droite qui remonte et qui se retrouvent en haut à gauche. Alors, à quoi après, ça me fait penser, sans être développeur, ça me fait penser au, au, au morphing qu'il ouais, y a maintenant dans PowerPoint. Dans PowerPoint, oui. Ça m'a fait penser à ça. Sans, ça ouais. Toi aussi Oui. D'ailleurs, je me demandais à un moment donné s'ils n'allaient pas faire ça en disant ben, on sait quelle est la page source, quelle est la page de destination, laissez-nous faire on va prendre en gros une image de la page source. Une image de la page de destination sur laquelle on veut arriver. On va faire le morphing entre les deux, et c'est un peu ce principe-là, quoi. Sauf qu'ici, on lui dit simplement, voilà quelle est la zone avec laquelle je veux faire ce morphing. Et puis ensuite, bah, le morphing, en quelque sorte, va s'opérer de manière puisque l'animation, c'est ça. Si on fait l'animation dans Visual Studio, on va la, la réaliser de cette, cette manière-là. Bon, après, il faudra la et tester. La... J'ai l'occasion. Oui, là, là, dans l'exemple que tu donnes, tu, tu, tu prends deux, deux tags images en, en source et en destination. C ça peut être un framework élément quelconque ou c'est euh, forcément une image Eux, ils ont parlé d'image, mais je pense que ça peut être aussi d'autres composants, ouais. Mais eux, ils ont ouais. surtout parlé d'une image. Après, est-ce qu'il y a des limitations, ne fût-ce qu'en termes de performance ou ce genre de choses mm -hmm. Mais si j'ai bien compris, ça peut être d'autres types de composants, peut-être pas tout, mais peut-être effectivement une frame ou, ou une image. Donc, il y a peut-être certains composants qui sont acceptés dans ce cadre-là. Oui, parce qu'on peut imaginer qu'ils font une sorte de, de, de capture d'écran de, de, ouais, de, ouais. de, de, du framework Element et qu'ils font le, le, le morphine avec. Oui, c'est ça. Donc voilà. Dernier point c'est, euh, au niveau des, des nouveautés, on va dire, dans ce nouveau framework graphique, c'est l'aspect parallaxe. Et ça, bah, c'est ce qu'on disait Atari. tantôt. Hein. <laughs> euh, voilà, c'est Atari, c'est les jeux vidéo, dans lesquels on, on voit le, le décor qui se déplace un peu moins vite que l'avant-plan. Ça paraît tout con, mais encore une fois, l'effet visuel, est... enfin, moi je trouve ça toujours assez sympa. Quoi. On a des effets qui sont vraiment agréables lorsqu'on voit dans sa démo le fond, donc son image de fond qui était l'image un peu stylisée de Seattle par rapport à ces images en dessous de podcasts qui passaient. Et ça, ça donne un effet de navigation, de, de, de bouger vraiment, de, de, de mouvement dans l'application, mais qui n'est pas trop lourd et qui est vraiment intéressant. Et donc pour mettre ça en place, ben, ils ont tout simplement créé un nouveau composant qu'ils ont appelé Parallax View. Et donc, euh, bah là, il y avait un namespace qui était le WUXC, mais ça, à mon avis, c'était temporaire le temps de leur démo. Et donc, on utilise la balise Parallax View en XAML. On lui donne euh, une source en lui disant quel est le, le, le contenu donc, sur lequel il va être relié, le Home Feed Grid qui se trouve ici. Et euh, bah, par exemple, à l'intérieur de ce Parallax View, il y avait une image et le home fit grid c'est une grille qui se trouve au-dessus ou en dessous je ne sais plus mais donc une grille qui est reliée par rapport à ça et en fonction de la navigation on va pouvoir ensuite alors il y a des valeurs par défaut qui donnent un effet de glisser je vais dire un peu classique mais après apparemment tout ça est un peu configurable et on peut régler ça un peu comme on veut quoi. Et donc on voyait ici l'image c'est le build 2017 Seattle skyline donc le le dessin de Seattle qui apparaissait par rapport au buildcast, donc par rapport au logo de, des différents podcasts qui apparaissaient dans, dans l'application. Il faudra vraiment avoir l'application dans les mains d'ici quelques jours, j'espère pas trop longtemps, pour euh, pouvoir la tester parce que franchement c'est vraiment pas mal et puis ça permet d'avoir vraiment ces exemples-là euh, en live, mais je pense qu'ils ont été un peu pris par le temps au niveau de la démo et qu'ils voulaient montrer vraiment toute une série de choses intéressantes, quoi. Donc voilà, donc voilà en gros le Fluent Design, ce que ça va regrouper, tous les, les différents concepts, donc beaucoup plus d'animation, beaucoup plus d'effets de, visuels, d'effets de, de 3D, d'effets de 360, je ne l'ai pas montré, mais donc de, de bouger vraiment à l'intérieur d'une vidéo. Et donc on retrouve ainsi tous les composants dont j'ai parlé, le Parallax View, Navigation View, l'acrylique, euh, et donc ils ont vraiment amélioré un petit peu tous ces, tous ces éléments-là. Et donc, pour terminer, je mettrai tous les liens dans les notes du podcast également. Mais donc, il y a euh, fluent.microsoft.com qui est le site peut-être principal sur lequel on peut retrouver tout ce que je viens d'expliquer avec tous les exemples, des petites animations qui sont faites là en gif qui permet de montrer un peu tout ce que, toute la manière dont ça bouge. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vers quoi Microsoft se situe avec tout ça. Bah, moi j'aime beaucoup, mais bon, c'est comme tout, hein. c'est du design, donc euh, il ouais. y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Ouais. Et je pense qu'ils ont essayé aussi de ne pas casser non plus tout ce qui existait au préalable. Donc c'est des ajouts par rapport à des composants existants, donc euh, toutes les applications apparemment qui existent, je veux dire qui sont faites euh, pour l'instant, on, on rajoute des options, des propriétés où on les englobe d'une nouvelle balise pour pouvoir arriver dans ce nouveau visuel. Ils avaient l'air assez... Euh, je veux dire, assez attentif à ce genre de choses, quoi, de ne pas casser, de ne pas devoir redévelopper complètement les applications déjà existantes dans le système. Quand tu vois, par exemple, les, les applications pour Windows Phone ou même sur Android ou iOS, euh, ce qui fait la différence entre, souvent entre deux, deux applications qui ont les mêmes fonctionnalités, c'est justement cette petite. Euh, cette petite touche de design ouais. euh, en plus là qui, qui fait qu'on a envie de l'utiliser l'application. Ouais. Parce qu'il euh, y a des petites animations, euh, c'est lisible, c'est clair et, et c'est ce qui fait que l'application est beaucoup plus sexy et même si fonctionnellement parlant il euh, y, a, y a la même chose ou voire même moins. Et c'est vrai que moi j'ai souvent des commentaires parfois de personnes qui utilisent d'autres applications comme tu dis dans, dans l'Android ou, ou souvent c'est plus de l'IOS et, et qui me disent bah elle est plus jolie là-bas parce que c'est vrai qu'il y a qu l'aspect peut-être parfois simplicité que moi j'aime bien au niveau de, de X Windows Phone mais en tout cas l'utilisation bah, si on a quelque chose de plus agréable de plus joli c'est toujours, toujours mmh. quand même mieux quoi. ça c'est clair <laughs> donc voilà voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Avez-vous d'autres euh, points à discuter C'est simplement euh, une mise à niveau pour moi au niveau du design. Hein. Ils n'ont ouais, pas rattrapé, mais ils, ont, ils sont réalignés par rapport à, au reste parce ouais. qu'il n'y a rien d'extrêmement de, de, euh, effet waouh. Wow. C'est beau, mais ça existait ailleurs. Bon, ouais. Après, Microsoft a quand même amené euh, le, le flat, hein, quand même. Enfin, je trouve qu'il a, il a revisité le flat avec, à l'époque, hein, il, il y a quelques années. Après, il y a Google avec Material Design qui ont repris quelque part l'idée et mmh. passé un cran au-dessus. Le iOS se sont alignés après à mettre du flat partout aussi, puisqu'ils étaient dans, le, dans un design totalement différent. Et, et là, maintenant, euh, euh, ben, je trouve que voilà, c'est un alignement euh, des choses. En fait, euh, oui, je suis d'accord. C'est bien. Mais, mais, c oui, ça, ça part dans le bon sens. Maintenant, c'est vrai que peut-être bah, l'intérêt c'est que ça soit fait par Microsoft et que ce soit intégré dans le système, donc avec peut-être les options de j'active, je désactive en fonction de que ce soit des perf ou autre chose. Ça peut être ça peut être aussi bien. Quoi. Maintenant, c'est vrai que ça existe peut-être déjà dans d'autres frameworks qu'on vient rajouter et qu'on vient gérer au-dessus. Bah, ici, géré par le système en lui-même, c'est toujours plus intéressant. Et avec, les, euh... avec les Windows euh, Template Studio, on, on pourra l'intégrer dans nos applications en, en un tour de main. Ouais, J'espère. On va faire clic. <laughs> Alors, j'ai regardé, hein, ce n'est pas un Navigation View hein, dans, le, dans le template, c'est pas du tout ça. C'est encore un autre euh, Ouais, c'est le truc natif, je sais pas lequel. Je sais pas. Mais c'est pas mmh. le Navigation View. Ouais. C'est un Split ouais, View, ou, je ne sais plus quoi. Ah oui, c'est ça, oui, oui. C'est ouais. celui qui qu était défini, enfin qu'il fallait euh, co composer. Et, ouais, c'est ça, composer. Il y a une, dis, une chose par contre qu'il faudrait que je pose à comment à David notamment, c'est de voir par rapport à UWP euh, Community Toolkit où ça se situe. Parce que notamment ça, Navigation View, ben, il y a un peu de redondance par rapport à ce qui existe. Donc, est-ce qu'il va y avoir une fusion entre les deux Les autres éléments graphiques, je pense qu'ils vont pouvoir venir se rajouter sans trop de problèmes, puisque c'est des options supplémentaires sur les, sur les composants. Mais il y a parfois un peu de redondance, je trouve. Donc euh, bah, Je ne sais non, pas. Je, bah, moi, je pense que mon point de vue, c'est que le, le, le Burger Menu, par exemple, de l'UWP Toolkit, il faut, faut, faut l'abandonner, clairement. Par contre, les autres outils, non, mais je veux dire, ou alors, il va être amélioré et puis mis de côté finalement. Mais au moins, c'est utilisable tout de suite, ça. Ah Là, ouais, oui, tout à fait. C'est l'avantage. Ah oui. Oui, oui, et surtout qu'ici, je suppose que celui-là aussi, mais en tout cas certainement les effets graphiques, mais je suppose que le, le Navigation View aussi, ne sera utilisable que dans la prochaine version de Windows. Donc pour les applications voilà. existantes, et même si on les développe dans six mois, bah, ça limite quand même un petit peu. Il faut que tout le monde ait fait une migration de son PC ou une mise à jour. Donc pas que le WWE Toolkit a maintenant un an, et dans ouais. un an, quand ça sortira, bah, tu as quand même deux ans d'utilisation où tu as un outil clé en main et qui fonctionnera après coup aussi. Donc ouais. c'est aussi un gros avantage. Oui, mais je me dis, ils auraient pu dialoguer entre eux et peut-être utiliser celui de WP Toolkit pour pouvoir ne pas en refaire un. Peut-être, c'est peut-être juste le nom qui a changé et que c'est peut-être le même, ça je ne sais pas. Mais... Ah, je ne sais pas. Ça, ça aurait pas. été bien, quoi. Mais c'est pas grave, tu pourras quand même l'utiliser à l'infini si tu l'as déjà dans une application. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui, ça c'est clair. Oui. oui, oui, on ne casse rien. Je... Mais moi j'aime bien aussi parfois quand c'est natif. Oui. Au système, au framework. Et il y en a pour Donc, tout le monde. Voilà. Ben, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres points à discuter, passer à la dernière rubrique, peut-être pour aujourd'hui, les actualités, les fameuses actualités habituelles de, de Richard et de tout le monde, parce que je pense que tout le monde a participé aujourd'hui à pouvoir compléter ça. À tout de suite. Mais on a déjà fait quand même pas mal de, de nouveautés par rapport à ce qui existe au niveau de la build, bien qu'on n'a pas tout passé en vue loin de là. Parce qu'il y avait combien il y avait de sessions, Christophe Plusieurs centaines. Hein Des sessions 288. De ah ouais, c'est ça. Bah ouais. Donc il n'y a rien à hein, voir. Ça, toutes, je, ouais, ça fait quand même déjà pas mal de choses à voir. Hein. Si on considère que c'est une heure chacune, ça fait un ouais. paquet de temps à devoir passer. <laughs> Puis ça va vite une heure hein, quand tu es dans une session, euh, pouf 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 pouf, il faut que tu ah ouais. du pâté. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, dans les petites euh, actualités, on mettra encore une fois tous les liens sur, euh, dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Mais donc, euh, une des premières euh, infos que j'avais vu passer, que j'avais pu relayer à l'époque, c'était, euh, je trouvais ça intéressant, il y a un site qui s'appelle git-school.github.io. Slash visualizing-git qui permet de visualiser en fait toutes les étapes qu'on fait lorsqu'on veut réaliser des, des commandes Git, lorsqu'on veut former quelqu'un à Git. Donc si on veut faire, je sais pas moi, un Git clone en mettant le nom d'un repository, puis qu'on veut faire un, un checkout pour récupérer le code, qu'on veut faire des branches, qu'on veut faire des fusions, des pull requests, etc. On peut taper toutes les commandes et on voit automatiquement la, la hiérarchie des commandes qui apparaissent avec euh, l'organigramme, je vais dire, la, la structure de tout ça avec euh, les différents commits qui sont mis en place. Donc, quand on doit expliquer quelque chose, expliquer du Git à quelqu'un, c'est toujours pas mal. Donc, voilà, c'est pas plus que ça, mais je dirais que c'est toujours intéressant pour pouvoir former quelqu'un à, à Git. D'accord. Euh, tiens, la build. Euh, au fait, si vous voulez tout recevoir euh, pour la build qui vient de se terminer, il y a eu deux sites intéressants. Il y a ouais. eu dev.microsoft.fr/slash build où là il y avait bah, tout de tout notre aventure. Mais il ne faut pas oublier que devapps.be, un site assez connu, ceci dit, slash build -2017, euh, a aussi 2017. Recont... Moins -2017, c'est si pour <laughs> D'accord, a euh, aussi recentralisé un petit peu les différents podcasts et émissions qu'il y a eu là-bas. Voilà, il y a cinq podcasts en tout et pour tout. Ouais, trois journées, des journées avant, des journées après. Et je l'ai dit au, au début, mais je le redis il y a Lifestyle aussi qui avait re relayé l'information et donc ils ont remis également ça dans leur flux de, de comment de podcasts. Mais ça a bien marché. Hein il y a eu plus de 11 000 maintenant écoutes. C'est ah ouais. pas mal. Ouais, ouais, tout tout sites confondus, c'est ça oui. Euh, ouais, ah ouais. ouais c'est bien. Ah, c'est bah, intéressant. Hein. C'est en français déjà, donc c'est évidemment pour nous beaucoup plus facile. Et puis, ça permet d'avoir une vue comme ça. Toujours moi dans la Et... voiture en général, donc c'est cool. Et euh... la prochaine fois maintenant qu'il y aura un peu de un podcast comme ça euh, organisé par MS, ça sera enfin organisé euh, co-organisé. On, dire... On va plutôt dire ça, je crois. Euh, ça sera euh, à Microsoft Experience qui aura lieu en octobre. Ah oui. Comme l'année dernière, quoi. Ils vont relancer la, la même idée. Comme l'année dernière, voilà. Tout ouais, à est fait. Bien. Parfait. Alors, autre petite news en passant, c'est aussi présenté d'ailleurs, je pense à la build lors de la, la keynote, si je me rappelle bien, par Scott Salman, euh, c'est l'intégration dans Azure de ce qu'ils ont appelé le Azure Cloud Shell. Donc, c'est-à-dire ben, un shell interactif. Donc, en deux mots, euh, dans le site web, dans le portail web où on fait d'habitude la création des, des, des sites, des, des bases de données, enfin, de tout ce que vous avez euh, et que vous faites en création en faisant des clics-clics et des remplissages de formulaires, ben, vous allez pouvoir faire tout ça, mais par ligne de commande. Donc, si vous avez soit un collègue, soit vous retrouvez un tuto sur internet qui vous explique comment faire pour créer votre process ou le configurer, bien, vous avez des lignes de commande comme en, en ligne de commande DOS. Je pense qu'au départ, c'est plus du bash qui, qui est placé, mais ça va bientôt arriver sur PowerShell aussi. Donc, un shell interactif accessible dans le navigateur. De mémoire, je pense que la première fois qu'on l'active, donc il y a un petit bouton en haut, à, en d'Azure, il va vous demander de l'activer. Ça prend quelques secondes et puis euh, vous avez une fenêtre DOS qui apparaît et, et vous faites tout ce que vous voulez, des dire pour voir le contenu des répertoires et jusqu'à la création des commandes. Tiens, en parlant, t'as fini Pardon. Oui. En ouais. parlant d'Azure, euh, avant, je voulais présenter aujourd'hui le, les Cortana Skills, mais ça m'a pris le chou parce que le timing qui m'était imparti était un peu serré. Et euh, j'ai euh, créé un bot, tout ça. Donc, mm -hmm. en fait, effectivement, sur Azure, c'est longtemps que je n'ai pas été. C'est super bien maintenant, Azure. Hein. Oh, on ah voit oui. qu'ils ont des fonds. Hein. Et euh, <rire> <rire> mais c'est vrai que ça, va, ça a été super bien à créer un bot. Franchement, en, ouais, en quelques clics, tu réalises ça très, très facilement. Avec Office, en fait, je pense que c'est une des sections les plus. Oh productif ah. de Microsoft, hein, je crois. Ouais, ouais il semble. Ah, ouais. Et euh, qu'est-ce que j'allais te dire comme bêtise Et du coup, euh, après, tu pouvais euh, connecter ton, ton bot euh, ben, sur différents trucs. Donc Cortana, il y avait aussi, bien, sur traditionnellement le, le Skype, euh, euh, une interface web, etc. Euh, et en cherchant comme ça, j'ai vu qu'il y, y a un gars qui partageait un, pour tester des bots. Alors, je suis pas du tout spécialiste, mais euh, il y aura le lien, vous irez voir. Euh, un truc pour tester ces bots avec un Microsoft Fake. Ah oui. euh, donc en fait, ça rajoute une sorte de. Dans ton code, tu, tu vas avoir un dossier fake et puis euh, différentes balises. Bref, euh, ceux qui sont intéressés à ça, bah, allez voir un petit tour sur ce, sur ce, ce blog, hein, cette page euh, avec le projet qui est sur GitHub. Donc ça peut être intéressant pour les spécialistes de, de bots. Mm -hmm. euh, ça a l'air d'être pas mal du tout. C'est tout neuf, c'est ça vient de sortir. Ouais, ben c'est bien. Et je vois que c'est avec Donovan Brown qui est une des personnes, un des responsables, je pense, de tout ce qui concerne, euh, enfin, Team Services, VSTS euh, et les, les builds à ce niveau-là, donc les, la construction de projets en, en VSTS. et oui, il était un thème De chez MS, tout à fait, oui. Ouais, ouais c'est ça. Il était à Tecorama, donc est un événement à... ici, c'était à Anvers, je pense, donc en Belgique. Il y a, je crois que c'était la semaine passée, pour venir faire une présentation. D'accord. Bah, il y avait okay. aussi euh, le monsieur en polo rouge, euh, non ah oui, il y a, ah oui, il y a Scott, Scott Guthrie qui faisait la keynote, je pense. Oui, tout à fait. Oui, tranquille. Ouais. Alors, euh, juste deux petites infos en, en dernier. Le premier truc, ça, je trouvais ça enfin, pas mal intéressant, c'est enfin Brian Harry, au niveau de, de MSDN, donc au niveau de Microsoft, a publié un article dans lequel il présente que ben, Microsoft dispose maintenant du plus gros repository Git de la planète, donc du monde, et notamment... Comment c'est arrivé ça C'est en faisant l'intégration de tout le code source. Donc apparemment, il y a quelques mois maintenant, ils ont intégré tout le code de Windows dans Git. Alors qu'avant, ils étaient, je suppose, sur TFVC, donc dans, dans Team, dans Team Foundation Server. Et ils sont passés toujours dans Team Foundation Server, mais sur Repository Git. Et donc, euh, bah, ce qui me trouvait intéressant, c'était juste pour voir un peu la taille de ce que ça représentait. Et donc, ils expliquent que tout ça, c'est un code qui est euh, globalement de 3,5 millions de fichiers juste pour du code source, hein. euh, dans lequel ils ont à peu près, ça fait 300 gigas de, de, de code source, quoi, de données. Ça représente tout ça, c'est géré par 4000 ingénieurs. Ils font des, des builds automatiques, de, et il y en a à peu près 1760 tous les jours qui sont effectués. Et tout ça, ça représente 440 branches. Alors moi, moi, quand j'ai déjà deux branches ou trois branches à gérer, c'est parfois déjà <laughs> casse-tête. Alors, J'imagine pas comment ils font. Donc, euh, ah. Donc, ah c'est quand même, euh, ouais, je trouve ça quand même impressionnant euh, la quantité de, de la masse d'informations pour pouvoir organiser tout ça. Tout ça pour dire aussi que TFS et bah, VSTS, la version online, bah, elle est quand même suffisamment robuste, apparemment. Et ils ont des petits sondages, ils mettaient des petits sondages également. Ils interrogeaient des personnes pour voir, enfin des ingénieurs chez eux, pour voir s'ils étaient satisfaits de Git, oui, non, etc. Et donc, bah, globalement, puisqu'ils mettent l'article, c'est quand même que globalement, ils sont assez satisfaits de ça aussi. Donc voilà. Et peut-être juste dernier point, c'est pour ceux qui sont aussi proches de, de la Belgique, du côté de Charleroi, c'est le 2 juin, donc c'est vendredi prochain. Il y a ce qu'on appelle la journée agile qui est organisée par, par des amis maintenant. Et j'ai l'occasion, moi, d'aller faire un petit speech là-dessus avec Adrien Clairbois qui était venu aussi dans un des DevOps tout au début. Et on va parler aussi toujours de VSTS, de DevOps et ce genre de choses. Donc, juste pour info, celui qui se trouve dans la région, n'hésitez ben pas. Je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de place mais je pense qu'il en reste encore quelques-unes mais plus énormément je pense qu'on sera 300-400 visiteurs à peu près et donc voilà, ça s'organise le vendredi de juin toute la journée dans la région de Charleroi et vous voulez plus d'infos c'est journéeagile.be c'est génial les journées agile sincèrement, si vous pouvez y aller moi j'y étais ah, oui. vraiment 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 apprécié j'y vais pas là, j'y avais été quand c'était à Mons Oui. je me demande si on s'était pas rencontré là-bas une des premières fois ah bah non. si si si, tout à fait voilà. Ouais, je pense. C'était génial. Il y, a, il, y a, il y a quelques années, deux ans, trois ans. Ouais. Plein de super speakers. Euh, il y avait un gars, je ne sais plus, c'est Voitu, je ne sais ouais, plus non, comment. Non, hein, pas bien, Votu, lui. Un peu comme ça. Non, non, génial. Il y a pas bien. Mais il y a, je crois encore, je pense que c'était comme euh, la fois passée, il y a quatre salles en parallèle, ouais. Quatre tracks en parallèle. Quelques-unes, mais très peu en anglais. Et la grosse majorité sont en français. Donc il y a une keynote, et puis chacun vient faire son petit speech. Et. Il y a tous les sujets, donc c'est l'agilité... c'est un petit bien. peu plus loin de, de la frontière, là, ça, on est... Ouais, Charleroi, ouais, c'est pas très loin, hein. il faut, dire une petite heure, peut-être, de la frontière... il y a des Gilles pas. aussi à Charleroi, alors Il y a des Gilles aussi, bah, il y a des Gilles partout, hein. Non, ah non, ils sortent pas de, souvent de leur pays, déjà Ah non, les, ah non, les Gilles de Binche, ça, c'est que à Binche, ça, ils peuvent pas sortir de Binche, la ville de Binche. Mais là, on est ah, à Charleroi. Voilà. Et là, on est à Charleroi. Ils en ont mais bon, aussi, mais je sais pas s'ils si peuvent s'appeler Gilles, et, et Denis, il y en a plein qui ne rien comprendre à ce. Ouais, c'est le, fol le, le folklore, hein, c est, c est le, <laughs> le carnaval de la Belgique. <rire> <rire> bah, vous irez voir. Hein. J'irai voir sur binge.be, je suppose. Ça doit être la ville. Je et le, vous allez avoir je le de la. <laughs> voilà. Il <laughs> n'y a pas de S, c'est pas le prénom. <laughs> Donc voilà, bah on a fait un peu le tour, je pense, de tout ce qu'on voulait dire cette fois-ci, messieurs. Avez-vous d'autres remarques, d'autres annonces à devoir faire aujourd'hui? Moi, dès qu'on pourrait avoir un peu plus d'infos, j'aimerais bien qu'on reparle, on fasse la même chose, mais qu'on qu puisse aller plus loin sur, par exemple, le OneDrive on demande, le Cloud Power Clipboard. J'aimerais bien qu'on puisse euh, préparer, ouais. qu'on fasse une émission où on va expliquer comment on fait dès qu'on aura un petit peu plus de contenu. Ça serait sympa. Enfin, déjà, ça me plairait de le préparer, mais en même temps, que je pense que ça peut intéresser plein de gens. Ouais, comme non, la timeline, comment on peut s'y connecter, les adapter cards, etc. Bah ici, on a, pris, on a pris trois sujets, mais c'est vrai que, comme on disait, 280 sessions, ça fait pas mal de sujets, donc je pense qu'il y a fait. moyen de remplir encore pas mal de devs. quoi. Ah, voilà. <laughs> on, au moins jusqu'à l'année prochaine, au prochain build, où ils vont encore nous en rajouter 280. Parce que actuellement, comme Microsoft Graph, c'est vrai que c'est des choses intéressantes ouais. n'importe quel type d'application, on va bah, on, il serait intéressant de s'y connecter, mais actuellement, euh, le graphe existait d'Office 365. Mais euh, moi, je suis curieux. Alors, j'avoue qu'entre nous, je ne connaissais pas le graphe auparavant. Hein, je ne suis pas spécialiste de l'Office 365, loin de là. Mais euh, est-ce que ça va rester chez Office Est-ce que maintenant, ça va être intégré dans Windows comment, comment ça se passe, cette, cette chose-là C'est des trucs qui m'intéressent, en fait, aussi. Ouais, C'est une des bonnes questions, parce que je suis dans le même cas que toi. Je ne connaissais pas non plus, enfin, euh, de nom, mais sans plus. Donc, euh, parce que c'est assez facile c'est comme un peu quand on se connecte au graphe de Facebook quoi. tu as une sorte d'arborescence et puis tu vas te balader euh, blablabla, euh, où tu veux, tu récupères un peu plein d'infos liées, mais euh, pour la timeline time de Windows euh, comment, comment ça va fonctionner euh, quelle différence on fait entre Windows Timeline et puis les Adaptive Cards Est-ce que c'est la même chose C'est plein de questions où, quand tu sors de la bulle, tu as eu tellement d'infos. Allez, il faut faire un peu le tri de tout ça et puis euh, bien ranger tout ça à nouveau. quoi. Ah ouais, ouais voilà. c'est clair. Plein de choses qui m'intéressent. On va essayer de préparer ça pour la prochaine fois. Hein. S'il y a des autres sujets aussi, d'ailleurs, hein. si les, tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter maintenant ont des sujets qui les intéressent, bah, on peut peut-être essayer soit nous d'y passer un peu de temps, comme tu dis, soit même de trouver des gens qui ont déjà passé du temps et qui peuvent venir nous expliquer ça. Ben voilà. Ouais. Ok. Et bah comme d'habitude, si on veut vous retrouver ou vous contacter, quel est le moyen le plus simple pour toi, Richard bah, Toujours mon compte Twitter, c'est 2 i Clark. Ok, bah, parfait. Et pour toi, Christophe Tosnet1 sur Twitter, toujours. Très pratique. 1. Pas deux, hein 1. Non, non, comme je l'ai dit, le zéro était pris. Ouais, c'est vrai. T'as <laughs> bien raison. <laughs> BB6, c'est d'index 1. <laughs> est ça. Ah oui, c'est ça en plus. La grande ça classe. Va. Et puis ben pour ma part, euh, bah, même chose Twitter @denisvoituron en un mot, sans espace, sans rien, et vous pouvez me retrouver là-dessus aussi. Sinon, vous allez sur devaps.be et vous allez retrouver une photo de nous avec nos coordonnées, donc euh, c'est peut-être encore pas. parfois le moyen le plus simple. Vendredi prochain à la journée agile. Ouais, voilà, tout à fait. En tout cas, bah, Christophe, t'es le bienvenu. Toi, t'es plus près. Euh, peut-être Richard, c'est un peu plus loin, toi pour venir, mais t'es le bienvenu aussi. Hein. Ça va être un peu tendu là. Ah un Petit avion, et puis hop là, oui, c'est vrai. En plus, il y a des reports à côté, <laughs> oui, bah oui, tout à fait. À côté de Charleroi, il y en a un, oui. Bah, direct Charleroi, ça n'existe pas encore. <laughs> on oh, oh, va trouver, on va en faire un, <laughs> on fort, on faire <laughs> un avec 15 correspondances. <rire> <rire> voilà, <rire> ok. Bah, à bientôt, bientôt tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Salut. Merci. Salut.